Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance conseil municipal de 12 juillet 2021. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui suivent grâce à la télédiffusion de la TV communautaire. Donc, comme vous le savez maintenant, on peut tenir nos séances là, en présentiel avec accès au public. Donc, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je nous demande de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances 14, 21 juin, 6 juillet et dispense de lecture. 3 tours des officiers, 4 questions aux officiers, 5 directeurs financiers, compte à payer au 30 juin 2021. B, financement temporaire, report d'échéance, règlement d'emprunt, V704-07-20, redressement des infrastructures routières de la municipalité, V686-09-19, programme TEC 2014-2018, règlement d'emprunt V706-09-20, acquisition d'un immeuble pour le service de sécurité incendie, C, financement temporaire, règlement d'emprunt V709-06-21, décrétant une dépense et un emprunt de 7 334 652 visant des travaux du prolongement des réseaux d'égouts de Caduc et d'égouts sanitaires secteur rue du Moulin, de l'Horizon, Bellevue, Pionnier, ainsi que la réfection des rues des Pionniers, de la Bellevue, de l'Horizon, de la Croix et du Ruisseau. Il va y avoir des explications de ce point-là. 6, politique familiale, rien à l'autre jour. 7, MADA, rien à l'autre jour. Directeur de loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Or, projet de construction d'une piste d'athlétisme, Fonds canadien à la revitalisation des communautés Québec, autorisation. B, projet de construction d'une piste d'athlétisme, accompagnement professionnel, octroi de contrat. 9, directeur de service incendie, rien à l'autre jour. Travaux publics, rien à l'autre jour. Directeur général. A, adoption du règlement V710-06-21, relatif à la sécurité, paix de l'ordre. B, caserne de pompiers, règlement d'emprunt V711-07-21. Avis de motion et dépôt de premier projet de règlement. C, projet de caserne SEAO, autorisation. D, OMH, de grande rivière, prévision budgétaire révisée 2021. E, fabrique de grande rivière, club de VTT, motoneige, des sentiers du Rocher, mandat. F, vente du lot excédentaire, numéro 6 327 012. G, rue des Trembles, installation d'une entrave pour la période estivale. H, résender la résolution numéro 157-06-21 et modification au règlement V709-06-21. J, création d'un poste de préposé au soutien administratif, autorisation. K, projet d'arrachement rue de bord de l'eau, acceptation du protocole d'entente avec le MAMH et MTQ relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. L, Edilex au titre de rédaction et de gestion contractuelle acquisition. M, remboursement de taxes foncières au propriétaire du lot 5 649 366, pièces de taux GLR. N, maison des jeunes de Grande-Rivière, demande d'exemption de taxes municipales. O, AMRC Rocher-Percé, projet d'implantation d'une carrière Gervais Dubé Inc. P, travaux d'arpentage LSAG mandat. 12, urbanisme, adoption du règlement numéro U06-05-521. Modifiant le règlement du zonage U006-03-19. B, demande de permis de construction, lot 5 788 727, Grand Allée Ouest. 13, information conseil et correspondance, dépôt des faits saillants 2020 par le maire. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levez la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Gaston. Il est déjà passé. 2, adoption des procès-verbaux des séances 6 juillet de juin. Vous les avez tantôt, j'ai dit 14-21, 6 juillet 2021. Avant la tenue de présente séance, qu'ils en soient pris connaissance et c'est d'être satisfait du contenu des documents proposés, déposés. Comme d'habitude, vous avez reçu les documents, les PV. Marie-Anne vous a fait parvenir les 3 PV, je pense, vendredi, pour que vous en preniez connaissance. Okay. Donc, je veux savoir si tout est conforme. Si c'est le cas, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposer, oui. Proposer par Jack. Monsieur Briand.
Buvez des thés. Donc, on serait rendu autour de table des officiers. Donc, avant de passer au directeur général, je vais passer au directeur de trop public, tiens. Mm-hmm. Juste pour donner une petite chance au directeur général de. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur le maire. Pour commencer, bien, les travaux qu'on a faits dans le dernier mois, c'est surtout les travaux de bétonnage puis de réparation d'asphalte et ces choses-là. Comme vous avez parlé tantôt, on a fait la fermeture de la rue de l'Azur et ces choses-là. Le prochain mois, ça va être encore du travaux de bétonnage. On va avoir des bordures à couper, des choses comme ça. Beaucoup de ponceaux ont été réparés là, dans le secteur ouest et tout ça. Ensuite, il y a eu beaucoup de réparations au niveau des dos d'âne et plusieurs accrochages sur les dos d'âne qui ont été réparés. Il y a un rapport qui a été remis, là, qui m'a été remis tantôt, mm-hmm. que je pourrais là, dire sommairement. Là, je sais qu'il y a un rapport qui vous a été demandé pour évaluer le temps, les coûts à ce niveau-là. Donc, c'est un rapport de travail. Là. C'est ça. Puis, pouvez-vous juste faire un petit compte-rendu aussi là, pour au niveau de l'entretien des fossés? Qu'est-ce qui va être fait là? Oui, pour les prochaines semaines? Pas de problème. Pour commencer, bien, il y a eu M. Maurice Richard qui a fait un entretien assez particulier au niveau de la route Saint-Pierre, dans ces coins-là. Ça a été déchiqueté partout, les zones et tout ça. On est quand même plus sécuritaire que c'était. Là, on a demandé à M. Dubé là, de finaliser le reste, qui n'est pas obligatoire d'avoir une grosse machinerie comme il y avait. Du tondage, de fossés, des choses comme ça. La rue McTavish va être faite, la rue du bord de l'eau, la rue du Petit Pavot. Hein. Puis une partie de la rue qui va être aussi la rue des Pionniers qui va être faite dans ces secteurs-là. Ça va être fait à partir de demain. Je vais rencontrer M. Dubé, le régent Dubé, là, pour finaliser le tout. J'ai fait des approches au niveau du chemin de fer. J'attends encore d'avoir une rencontre avec eux autres là, pour le nettoyage des fossés par rapport du printemps, à savoir s'ils vont faire quelque chose avec ça, mais j'attends les nouvelles. Juste pour vous informer, là, on a eu une rencontre, là, moi puis le directeur général, avec le directeur régional. Okay. Puis ce sujet-là est apporté, puis avec preuve à l'appui, j'ai fourni des photos okay. Pour démontrer que quand ça va être le temps de travailler, de s'assurer que l'entretien soit fait, donc le visuel a beaucoup parlé. Il nous a été mentionné comme quoi qu'il y a des démarches qui auraient été prises là, pour essayer de corriger la situation. Parfait, ça. Que ça s'est déporté. Puis, je profite de l'occasion, vu qu'on parlait de travaux publics, le rapport, juste pour vous dire un peu sommairement, là, au niveau des coûts, à la demande du directeur général, c'est qu'on a voulu faire une analyse des coûts, réparation, le temps concernant, parce que vous le savez que. C'est un sujet qui est assez chaud, donc on veut être transparent pour donner un peu d'informations aux citoyens. Donc, sommairement, là, au niveau des coûts, là, rue de l'Hôtel-de-Ville, 390$, rue du Parc, 1130$, rue Normandie, 320$, rue Saint-Hilaire-Est, 480$, rue Saint-Hilaire-Centre, 240$, rue du Parc-Centre, 440$, rue de la Rivière, 1130$, rue du Moulin, 1730$, rue des Pionniers, 790, rue Saint-Pierre, 790, rue de l'Azur, 1130, rue de Bordelot, 1130. Donc, pour un total de 9700. Donc, le rapport, là, vous voyez, là, il y a des photos à l'appui qui vient montrer un peu là, qu'est-ce qui a été installé. Il y a eu, comme vous le savez, il y a eu certains bris de remplacement. Donc, là, présentement, tout le matériel est utilisé. Je vous dirais que même qu'on a des demandes, mais comment qu'on voudrait en installer d'autres, présentement, on est en rupture de stock. Puis, comme vous le savez, la pandémie, bien, il y a des délais supplémentaires. Mais il reste que la problématique, de façon générale, là, on est en train de faire une certaine réflexion. Puis toujours pour vous dire qu'on va devoir reviser un peu notre procédure pour à partir de l'année prochaine, parce que les informations qu'on a,
On ne peut pas installer des dodans dans les secteurs dans lesquels la limite de vitesse est supérieure à 30 km à l'heure. Donc, ça pour dire, c'est que, oui, il y a eu des beaux lards, il y a eu l'affichage aussi des enfants, certains effets, mais il va falloir là, qu'on revise là, peut-être l'installation à l'avenir là, des dodans, là, parce que présentement, il y a, dans certains secteurs, comme vous le savez, la limite de vitesse est supérieure à 30. Donc, on a installé des dodans pour diminuer la vitesse, mais théoriquement, on ne sera pas supposé d'en installer dans les secteurs dans lesquels la limite de vitesse est supérieure à 30 km à l'heure. Donc ça, c'est un point d'information. C'est juste pour vous dire que 9 700, c'est les coûts d'installation. Ça comprend aussi là, le temps. Puis quand il est pris, prendre des fois des employés pour s'assurer que dans certains secteurs, qu'il n'y a pas de bris. Ben, les fêtes de semaine, ici, il y a une convention collective, donc c'est souvent temps et demi, temps double. Donc, ça, c'est des frais qui viennent un peu à la charge des citoyens. Donc, je veux juste donner l'information. Oui, M. Dubé? Pour en rajouter, là, ces dodans-là, là, les prix qui sont là-dedans, il y a aussi des prix de remplacement parce qu'il y en a qui sont plus usés que d'autres là, par rapport à des starts qui ont été faits dessus avec les voitures ou des freinages brusques dessus là, qui les ont maganés un petit peu. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres. Là. Puis parfois, là, c'est pas parce que c'est la rue, c'est parce qu'ils ont été installés ailleurs avant, puis là, ils ont commencé à être détériorés. Là. Exemple, la rue de l'Azur, il est plus élevé que les autres, mais il n'en avait pas avant. Fait que c'était un dodan qu'on a récupéré d'ailleurs. C'est tout. Parfait, merci. Directeur de Sandy, avez-vous, M. Lebrun, avez-vous quelque chose? Tout simplement, comme à l'habitude, le petit rapport mensuel du mois de juin. Un service d'incendie est intervenu à 6 reprises, une fois sur le territoire de Percé, à une occasion à Tchernock et 4 autres fois sur le territoire de la Grande-Rivière. Et de plus, j'en profiterai en même temps pour sensibiliser les gens à l'effet sur l'entreposage de leur réservoir de propane. Le propane ne s'entrepose pas dans un bâtiment, qu'il soit chauffé ou non chauffé, le propane doit être entreposé à l'extérieur. Lors d'un incendie, ça représente un très grand danger pour les pompiers. Si un réservoir de propane pour lequel on n'est pas au courant, on ne sait pas, il est rangé à l'intérieur, et il y a une explosion, on court des chances d'avoir des morts. Je note parce que ça fait quelques fois qu'on a des interventions, puis on ramasse des réservoirs. On se voit des réservoirs de propane à l'intérieur, puis des fois, ce n'est pas un réservoir. C'est des bonbons de 20 litres, 30 litres, puis des fois, il y en a quelques-uns. S'il vous plaît, les gens, entreposez vos réservoirs de propane à l'extérieur en tout temps. 12 mois par année, ça, c'est à l'extérieur. C'est un gaz, c'est très dangereux. Merci. Merci, M. Lebrun. M. Moreau, directeur des loisirs, est ici ce soir. Donc, je passerai la parole au directeur général. Oui, merci, M. le maire. Si vous permettez, on pourrait peut-être faire les points principaux là, des séances extraordinaires, bien, c'est-à-dire tous les points des... Je vais juste dire quelques lignes, quelques mots. Oui. Donc, le point 1, avis de motion dépôt du projet de règlement relatif à la sécurité, paix et ordre. Donc, c'était une procédure pour uniformiser le règlement à l'ensemble de la MRC. Prolongement des réseaux d'Aqueduc et rue du Moulin, servitude. Servitude expropriation, autorisation de procédure judiciaire, c'est que parmi les 36 servitudes qu'on avait à faire signer, ben, tu sais, on a réussi à en faire signer 35 sur 36. Donc, il y a un citoyen qui a refusé de le signer. Donc, on devait aller en cours pour entamer une procédure d'expropriation. Donc, j'avais besoin d'une résolution à cet effet-là. Ensuite, on avait un octroi de contrat pour le prolongement du réseau d'Aqueduc et d'égout secteur rue du Moulin. Celui-là, c'était pour mandater une firme d'ingénierie qui était indépendante pour faire les devis, pour sortir à nouveau en appel d'offres pour pour la surveillance du chantier. Dans le dossier MADA, municipalité amie des aînés, le responsable administratif, donc on procédait à la nomination de Madame. C'était Mme Monique Doucet? Hein? Ah, ça, c'est notre greffière qui était là-dessus. C'est ça, excusez. Administratif, oui.
Modification à la résolution 137-06-21. Ça, c'était dans le dossier d'expropriation où on devait changer les numéros de l'eau. Ça, non, ça, c'était concernant le règlement... Le règlement d'emprunt pour le PAVL. Ah, puis, oui. Cette résolution-là va être... elle était rescindée, dans le fond. OK, parfait. Grande Allée S, secteur Brochamanon. Suite à la demande de citoyens, on avait demandé, mettons, une extension de la limite là, de la zone de 70. Là. Ça fait qu'on demandait à ce que la zone de 70 soit extensionnée au-delà de la deuxième entrée du parc de la Brochamanon. Donc, cette demande-là a été déposée au MTQ. Le programme d'emploi vert de la CPL, l'autorisation de déposer une demande d'aide financière qui a été réalisée. Le point 8, procédure judiciaire pour les lots 5 650 394 et 5 293 226. Donc, c'est deux mandats qu'on donnait au procureur pour aller de l'avant avec deux dossiers qui étaient problématiques. Ensuite, prolongement des réseaux d'Aqueduc et d'Égout. Encore une fois, secteur rue du Moulin, appel d'offres sur SEAO, autorisation. Donc, on avait besoin d'une résolution d'autorisation pour déposer l'appel d'offres sur le système électronique. C'était concernant la surveillance. J'aurais dû parler de la date de fermeture, mais il reste encore une semaine. C'est le 22 juillet. 22 juillet, c'est ça. À 14h. Ça, c'était la première extraordinaire qui s'était tenue le 21 juin à 18h. On a eu une deuxième séance extraordinaire le 6 juillet à midi, où il y avait... c'était quatre points l'autre jour, parce qu'il y avait une résolution à rescinder. Donc, la première résolution, c'était pour rescinder la suivante, qui était le projet de prolongement du réseau d'Aqueduc et d'Égout sanitaire secteur rue du Moulin, servitude d'expropriation. Ça fait que c'était pour l'autorisation des procédures judiciaires. Ce qu'on avait fait là-dedans, c'est que dans le dossier, il y avait eu une demande de subdivision du terrain. Donc, le numéro de terrain initial du lot était plus bon pour aller en cours. Donc, on a dû rescinder la résolution avec les deux nouveaux numéros de lot qui étaient visés par la servitude. Ensuite, on avait le point... celui-là, qui est PAVL, secteur rue du Moulin. Bien, ça, en passant, c'est une bonne nouvelle. La demande d'aide financière qu'on avait faite au MTQ pour faire les rues de l'Horizon, de la Croix, du Ruisseau, de la Bellevue, puis une partie des Pionniers jusqu'à la 132, ça a été accepté. Donc, on a eu la subvention pour pouvoir faire les travaux. Ce qui porte à notre projet du secteur ouest là, à plus de 7 millions en investissement cette année. Fait que, donc, c'est ça, on avait eu l'autorisation pour aller dessus, c'est qu'on avait déposé. Mais là, l'autorisation, c'était pour déposer pour la surveillance de chantier pour cette partie-là. Donc, c'était ça, le PAVL, là, ça va servir à faire de l'asphalte neuve, à changer des ponceaux, surtout à les surdimensionner, à refaire les arrières, puis certains fossés. Donc, on en a pour 1,12 million seulement dans celui-là. Bien, d'aide financière, mais le projet, c'est 1,3 million. PAVL, secteur du Moulin, réalisation des devis techniques pour la surveillance de chantier, octroi de contrat. C'est là qu'on donnait notre contrat de gré à gré à la firme Tetra Tech QI pour la surveillance du pavage des rues des Pionniers de l'Horizon de la Croix du Ruisseau pour un montant de 37 000 $. On avait reçu les documents, c'est-à-dire les offres de service. Ensuite, dans les dossiers en cours, bien, c'est sûr que le projet de prolongement, bien, il est attendu, puis c'est vraiment le dossier qui a encore pris presque tout le temps dans le dernier mois. Par contre, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent là. À partir de la semaine prochaine, là, vu qu'on avait autant d'appels d'offres à sortir sur le système électronique d'appels d'offres, il faut qu'on se mette sur le dernier volet de tout le projet, c'est-à-dire de recevoir les demandes. C'est parce qu'on a déjà eu des demandes des citoyens qui veulent se prévaloir d'un prêt, si on veut, étaler sur 10 ans. Fait que, vu que ça fonctionne avec un règlement d'emprunt, je vais répéter la façon dont ça va fonctionner. Donc, vous allez appeler à la municipalité à partir de lundi prochain, ou même à partir des prochains jours, même si la semaine n'est pas finie, il n'y a aucun problème.
Mais dans le fond, c'est de laisser votre nom avec votre adresse, le nombre d'occupants dans la maison, puis avec vos numéros de téléphone. Puis si vous avez une adresse courriel, tant mieux. Puis là, l'ensemble des travaux qui vont être demandés, ceux qui vont vouloir se prévaloir de cette aide financière-là, là, vu que c'est la ville qui demande pour le règlement d'emprunt, c'est la ville qui doit mettre d'œuvre des travaux. Donc, on va donner à contrat à une entreprise privée, encore avec un appel d'offres, l'ensemble des travaux à faire. Comme présentement, comme je vous disais, on avait 5 noms. Il y a des personnes qui ont demandé pour le branchement. Il y en a d'autres que c'était pour mettre à niveau leur fosse septique. D'autres, c'était les deux. OK? Fait que c'est habituellement, si on met à niveau notre fosse septique, c'est parce qu'on est dans un secteur où on avait seulement le service d'eau potable. Mais si jamais vous avez un besoin, que ce soit pour seulement le branchement ou seulement pour un champ d'épuration, vous avez la possibilité de le faire. Si vous êtes à proximité aussi du secteur qui est visé par les travaux de réseau, là, vous êtes comme dans les voisins, mais que vous voulez profiter de ça, c'est des travaux d'amélioration de l'ensemble du secteur. Vous pouvez aussi m'appeler puis regarder si vous avez la possibilité de vous prévaloir de cette aide financière-là pour, dans le fond, c'est un prêt pour 10 ans. Mais aussi, il faut prendre en considération que la ville n'est pas la seule option. Si vous êtes un jeune couple qui venait de faire l'acquisition d'une maison, vous êtes dans un projet d'acquisition de construction d'une maison neuve, c'est sûr que si vous avez la chance d'intégrer ce prêt-là avec votre prêt hypothécaire, c'est sûr que ça peut être avantageux. Par contre, pour quelqu'un qui c'est pas un avantage pour lui de réhypothéquer sa maison pour ces travaux-là, là, c'est sûr que l'offre qu'on vous fait, ça devient intéressant. Fait que je vous demande, avant de donner votre nom, parce que dès que vous avez donné votre nom, on va éventuellement vous faire signer un papier comme quoi que l'entente, c'est quoi l'entente, c'est quoi les travaux que la ville va faire pour vous, puis au niveau de vos responsabilités, qu'est-ce que ça vous engage aussi comme responsabilité à l'avenir. Okay? Fait que dans le fond, les deux options, là, si ça fonctionne au niveau hypothécaire, c'est sûr que le pourcentage là, il va sûrement être meilleur si on passe par une institution financière à travers l'hypothèque. Oui. C'est étonnant qu'il y ait une personne qui embarque là-dedans. Oui. J'imagine que son compte va être embarqué sur le compte de taxe, c'est ça? Ben, ça veut dire que oui, d'autres, il va avoir comme une taxe spéciale sur 10 ans qui va amortir. Tu sais, admettons quelqu'un va pour les frais de branchement et une installation septique flambant neuf. Je sais pas, admettons que ça monte à 12 000 $ pour faire les deux travaux. Mais le 12 000, il va être séparé, divisé par 10. Fait que là, il va avoir un montant sur son compte de taxe. C'est ça, à chaque année. Fait que là, au lieu d'assumer d'un coup 12 000 $ il va pouvoir faire des paiements par tranche de 1 000 $ Donc, personne n'aura pas le choix de payer. Si, ça va être compris si c'est les taxes. Ouais. Si au bout de 5 ans, il dit « Ah, je paye plus ça », pas question. Non, c'est ça. Sur un compte de taxe, on ne peut pas l'annuler, malheureusement. C'est une taxe spéciale pour un projet spécifique. Okay? Ça fait que c'est la même chose. Hein? Parce que le coût que chaque citoyen va payer, c'est le coût réel des travaux qui se rattachent à la maison. Même si on donne l'ensemble des contrats en appel d'offres, c'est que les coûts vont être identifiés. Il y a quelqu'un qui va aller chez vous pour essayer d'évaluer le plus précisément possible le coût des travaux. On va avoir une visite avec des discussions citoyennes. Là, ce que j'ai pas eu de demande encore, puis il y a personne qui m'en a parlé, c'est les réseaux privés qu'on voulait faire pour les personnes qui avaient plusieurs maisons, 3 ou 4 maisons, un en arrière de l'autre, où est-ce qu'on aurait pu passer un main là, en eau potable, un diamètre un petit peu plus grand, ou un main aussi pour l'égout, mais présentement, ceux qui sont loin des maisons semblent savoir organiser pour l'instant, mais j'ai pas eu... T'sais, l'objectif, c'est pas de courir après les gens, mais c'est vraiment de l'offrir de la meilleure façon possible. T'sais, on n'est pas là pour cogner à votre porte et dire hey, « ça vous intéresse-tu? » Vous devez faire part de votre intérêt à la municipalité. Puis là, ben c'est sûr qu'il faut que ça se fasse... Parce que là, il y a le règlement d'emprunt qui a un certain délai à respecter. Là le projet va après qu'on va attribuer le contrat officiellement, là, on va pouvoir se mettre sur le règlement d'emprunt de cette petite partie-là.
Mais c'est juste pour vous dire comment est-ce que les échéances sont très serrées. Là. Et puis, c'est la même chose. J'entends souvent à travers les conseillers, tu sais, il y a des personnes qui ne croient pas encore au projet rendu là, là mais tu sais, si je peux vous conforter, c'est sûr que là, tu sais, au début, l'objectif de la municipalité, c'était de commencer les travaux à la fin juin. Mais tu sais, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça, on est en affichage tout le temps, soit pour un contrat de service professionnel, ou soit qu'on est en affichage pour des avis de motion pour les règlements d'emprunt. Ça fait qu'il y a plusieurs étapes à faire. Il y en a beaucoup à faire. C'est long, c'est des documents légaux. Puis cette semaine, vous avez vu, là, on a ressorti en affichage là, pour la question du référendum. T'sais, on avait déjà fait cet affichage-là pendant 30 jours. Les affaires municipales nous ont permis de le faire pour 15 jours, là. Mais c'est parce qu'on avait oublié là, un détail administratif qui avait encore rapport avec les décrets du gouvernement par rapport à la COVID, où est-ce que les conditions de référendum ont changé. Puis on est, okay. Fait qu'il faut, des fois, il faut être rapide là-dessus, mais on a tellement à faire. C'est que des fois, tu te demandes pourquoi la semaine passée, on est sorti en affichage, on n'avait pas besoin de ça, puis la semaine d'après, les conditions ont changé. C'est que il faut être allumé des fois pour le moindre changement. Fait que là, ben, vu que la consultation publique avait déjà été faite, ben, on n'a pas le choix, face à la loi, de ressortir avec la bonne façon d'afficher. Donc, on nous a permis d'y aller pour 15 jours au lieu d'aller pour un autre 30 jours parce que là, on peut plus se permettre des 15 et des 30 jours d'attente. Ce qu'on attend présentement là, pour lancer le tout, là, c'est seulement la confirmation du règlement d'emprunt de 5, quelques millions là, pour réaliser les travaux. Dès qu'on a la confirmation, c'est en analyse. Là. C'est les affaires juridiques qui ont pris ça en main parce qu'en principe, c'est de 10 à 12 semaines d'analyse. Mais là, ils comprenaient l'urgence de réaliser les travaux puis de les finir avant le 5 novembre parce que, encore une fois, je le répète, c'est pas juste une question d'apporter des services. Le but, c'est de régler une problématique de santé publique. Okay? Fait qu'on a la santé publique qui est derrière ce projet-là. Puis ça, c'est un appui très important. Puis c'est cet appui-là aussi qui fait devancer l'analyse de notre dossier de règlement d'emprunt. Comme on dit, M. Moreau, pour répondre aux gens, là, ouais. c'est là qu'ils sont deux ou trois ensemble qui veulent se parler. Ce serait idéalement qu'ils communiquent le plus tôt possible avec vous. Oui, oui. Mais là, c'est ça, la semaine passée, là, j'ai reçu plusieurs appels, j'ai fait une coupe de retour, mais on était vraiment concentrés là, sur les surveillances de chantier. Tout ce qui était technique autour du dossier, il fallait absolument que ce soit réglé. Puis après ça, on n'a pas des grandes marges, mais on a quand même, à partir, là, dès qu'on va avoir l'autorisation pour le règlement d'emprunt, là, on va pouvoir respirer un peu, mais il faut quand même qu'on suive nos échéanciers de façon précise. Après ça, dans un autre ordre d'idée, là, on a reçu toutes les estimations des coûts, les plans et devis pour la construction de notre abri à sel. Fait que là, on est prêt à sortir en demande d'aide financière au RECIM, au MAMACH. Fait que ça, c'est un dossier qui a bien cheminé. On a reçu aussi les plans et devis finaux, l'estimation des coûts révisés pour la caserne d'incendie. Fait que là, il reste à avoir la lettre là, du ministère de la Sécurité publique. En tout cas, il reste des documents à envoyer demain pour avoir la lettre d'appui, de conformité. Fait que là, en principe, ça, c'est seulement un détail. Mais lorsqu'on va sortir en règlement d'emprunt pour la caserne, il faut que la lettre d'appui soit jointe avec. Fait que là, l'analyse est commencée depuis deux jours déjà. Mais aujourd'hui, on m'a confirmé que demain, si on envoyait le reste des pièces demandées, que possiblement là, l'analyse va être terminée très rapidement. Fait qu'on va pouvoir joindre avec notre demande de règlement d'emprunt sans problème. Aussi, bien, c'est sûr que ça fait déjà quatre semaines. On a fait une première rencontre pour partir les travaux menant à la négociation de la convention collective avec les employés syndiqués de la municipalité. Fait que là, il y avait comme plusieurs points qu'on faisait vérifier par une ressource là, juridique
qu'on voulait faire valoir en tant que du côté patronal. Mais les offres, là, il va falloir qu'on s'entende d'une date pour que chaque partie dépose leurs offres. Mais présentement, on n'était pas prêt à le faire parce que seul, ben, le syndicat, lui, aurait été prêt à déposer au 30 juin. Vous avez vu, cette semaine-ci, on a affiché un poste. OK, fait qu'on va procéder au cours des prochains jours à l'embauche d'une ressource au poste de préposé au soutien administratif. Donc, ça, c'est... ça fait un bout là, qu'on roule à une équipe réduite. Là, on essaie de couper les scènes le plus possible. Mais là, on est rendu avec une quantité de dossiers. Puis tu sais, là, c'est bien beau faire des demandes d'aide financière, monter des projets, mais il y a aussi la reddition de comptes qui va suivre, les paiements de factures, le suivi des déboursés, tout ça. Puis mon ami Jacques, j'y lève mon chapeau pour tout le travail qu'il a fait depuis, bien, surtout avec les états financiers. Il y a la poutine de tous les jours. Mais faire la suivi des dossiers puis la reddition de comptes, c'est un autre monde. Fait que là, je pense qu'on est rendu à l'étape là, qu'on doit faire un peu grossir notre équipe administrative pour suivre la cadence parce que de ce temps-ci, je pense que le rythme est un peu fou. Fait qu'on va attribuer de nouvelles responsabilités à cette ressource-là pour mieux, si on veut, dispatcher là, les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe pour essayer d'améliorer notre performance. Ce soir, on va passer une résolution par rapport à un outil de rédaction des devis. Vous savez que, oui, on donne des gros projets de plusieurs millions. Mais s'il y a des projets qui sont importants pour les entrepreneurs de la place, c'est les contrats qu'on donne de gré à gré. Mais tu sais, on s'est aperçu que oui, c'est fun de donner ces jobs-là, mais il faut que les devis qu'on remette, ils doivent être aussi précis que les projets de millions. Mais sauf que tu sais, il y a des fois certains secteurs d'activité qu'on n'a pas l'expertise, puis on doit l'écrire quand même, puis jamais oublier de ligne, puis au niveau légal, puis réglementaire. Fait que, tu sais, les systèmes qui existent maintenant, là, c'est des contrats qui sont étalés sur plusieurs années. Celui que je vous propose aujourd'hui, là, c'est un investissement de 15 000 $, mais sur 3 ans. OK? T'sais, juste pour vous donner, là, on peut sortir, on donne un contrat pour faire des plans et devis, pour sortir, ben des fois, ça coûte 10 000, des fois, ça coûte 12 000, des fois... Mais celui-là, c'est 15 000, mais c'est pour les besoins de la municipalité, pour tous les petits contrats. Je vous en nomme 4, là, tu sais, que ça va faire aujourd'hui exactement 2 mois que j'étais supposé de sortir en soumission pour l'installation des compteurs d'eau. Mais tu sais, le domaine de la plomberie, même si ça a l'air simple, OK, on sait qu'on a 70 compteurs d'eau, mais dans quelles conditions qu'on les veut? Comment est-ce qu'on protège la ville légalement à l'octroi d'un tel contrat? Fait que, vite de même, ça paraît simple, mais quand tu dois écrire tout le devis pour donner la job, là, tu sais, une question aussi nounoun que s'il manque un fitting ou la tuyauterie, puis là, il faut que je change, c'est qui le paye? Tu sais, fait que c'est tout mais ce genre d'outils de rédaction-là, là, c'est des affaires qui est user-friendly, que tu cliques des choses, puis quand tu payes sur imprimé, là, t'as un devis qui est complet, puis que t'oublies absolument rien. C'est la machine qui le pense pour toi. T'as juste à faire les vérifications. Fait que, au niveau des accréditations, là, de la Régie du bâtiment du Québec, au niveau de la CCIQ, tout ça, là, fait que, essayer d'aller voir est-ce que chaque personne qui va soumissionner dessus a les compétences pour faire le travail. De façon légale, est-ce que la ville peut avoir un retour? Mais c'est ça, il faut penser à tout ça parce que c'est pas juste de donner un contrat, c'est de donner de façon légale, mais aussi de permettre la chance à tout le monde d'y aller dessus. Puis si jamais, demain matin, on attribue un contrat à quelqu'un qui n'a pas les compétences pour le faire, ça aussi, ça engage. Faut pas qu'on se mette dans le trou. Non, il faut pas se mettre dans le trou. Fait que dans le fond, c'est un investissement qui est bien, juste à court terme, là, compteur d'eau, avec ce système-là, on serait prêt à le faire demain. Au lieu de passer des semaines à faire des recherches, on fait ça dans une question d'heure, puis il est imprimé, puis il est affiché.
Déconstruction de l'ancien BMR parce qu'on veut déshabiller complètement par tous les bâtiments de la tôle là, avant de mettre la pelle dedans, puis de faire une certaine préparation parce qu'il y a des gens qui veulent l'avoir, le bois qui ressemble à du bois de grange qui est en dedans, mais qui est pratiquement du bois de grange. Fait que là, ben, il va y avoir, dans le contrat de déconstruction, il va y avoir certains jobs à faire pour pouvoir conserver le maximum de matériel pour le revaloriser. Puis après ça, il va y avoir un autre contrat qu'on va donner de gré à gré pour la démolition mécanique avec une pelle mécanique de l'ensemble le reste des bâtiments, puis avec une séparation mécanique du bois, du béton, puis des déchets aussi. Okay? J'en avais un autre qui m'a passé. Puis là, c'est ça. Mais là, on a eu une bonification de notre TEC, la taxe sur l'essence. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le gouvernement a décidé de bonifier nos enveloppes. On avait eu, pour notre TEC 2021-2023, la ville avait eu 1 500 000. Ça peut paraître beaucoup, 1 500 000, mais tu fais juste quelques travaux de mise à niveau des stations de pompage, tout ça, puis il n'y en a plus. Là. On a fait la rue du Parc. On avait 1,3 million, on a fait les travaux pour 1,1. Mais le 200 000, c'était pour faire des petites jobines partout. Fait que pour notre réseau, on a eu une bonification de 327 000 $ je me trompe pas, là, mais en tout cas, c'est dans les 320 quels. Fait que là, celui-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fait de la canalisation. Mais on a eu un autre montant qui est autour de 80 000 que là, pour une fois, on va pouvoir l'appliquer à nos bâtiments. Fait que ça... c'est pas nécessairement la municipalité qui décide comment elle va utiliser ses argents. C'est que tu as le droit de l'appliquer sur un bâtiment municipal si tous tes jobs sur le réseau d'Aqueduc ou d'égouts sanitaires, c'est fait. Si tu as encore t'as une liste qui s'allonge tout le temps, tu n'as pas le droit de mettre sur un bâtiment. Il faut que tu priorises toujours tes réseaux d'Aqueduc et d'égouts. Fait que là, ben là la bonification de l'enveloppe, c'est que ça a été annoncé, c'est-à-dire qu'on a eu une lettre qui a informé la ville de ce nouveau montant-là, mais qu'on pouvait le mettre sur un ou des bâtiments, changer des châssis. En tout cas, l'important, c'est que c'est une amélioration locative. Mais là, je pense que la construction peut-être d'un bureau serait de mise dans les prochaines semaines. Je pense que ça fait pas mal le tour pour moi, M. Le Maire. Il y en a pas mal. Merci, M. Moreau. Questions aux officiers, est-ce que vous avez des questions? Non, moi, j'ai pas de questions. Non, moi, j'ai pas. Je veux rappeler aussi que je sais qu'il y a beaucoup d'explications qui ont été données, là, mais comme vous pouvez le voir, il y a un suivi très serré. D'habitude, les délais de traitement, on parlait de 4 à 6 semaines, mais à cause de la pandémie, le télétravail, on est monté à 112. Donc, c'est une des raisons pourquoi que la greffière a écrit pratiquement un roman la semaine passée pour aviser le service juridique à cause des problèmes de santé publique. Il fallait s'assurer de diminuer. Puis on travaille toujours dans l'objectif que la première semaine d'août, les débuts des travaux. Mais par contre, là, comme qui est expliqué par le directeur général, quand on fait un avis, puis qu'ils nous disent qu'il faut donner la possibilité aux citoyens de répondre par courrier électronique, puis il faut le mentionner dans le devis, parce que ça apparaît dans tel décret. Mais les décrets, là, il y en a eu plusieurs. Là. On est une petite municipalité. Des fois, il y a des municipalités qui ont des départements uniquement juridiques pour s'occuper de ça. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il y a des ajustements. Par contre, on est très proactif, puis je vous dirais que les informations qu'on a de greffière, le travail est fait aussi par le directeur financier, directeur général. Moi, je suis confiant que les travaux vont débuter début août. Puis je sais qu'il y a des gens, que, comme M. Moreau le mentionnait tantôt, il faut ne creuve pas, c'est le syndrome de la pépine. Mais que les pépines vont arriver au 28, bien là, les gens vont voir que les travaux vont débuter. Les tuyaux. Que ça sera rendu au point 5. Directeur financier, compte à payer au 30 juin 2021. Il est dûment proposé par résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 juin 2021 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 88 978,42. M. Denis Baudin. Oui, M. le maire, comme à l'habitude, j'en fais la vérification. Puis quand j'ai des interrogations, je contacte le trésorier. Puis,
Encore une fois, j'ai pas eu à le contacter. J'ai rien soulevé qui était douteux ou quoi que ce soit. Je peux en nommer seulement deux là, qui composent peut-être le un tiers de la facture. Il y avait entre autres une facture à Edenum Technologies pour la numérisation des permis, des plans et des permis pour un montant de 9 000. Puis une autre facture de 25 700 pour Quattro Consultant pour la caserne d'essence. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire. Parfait. Je proposerai par M. Baudin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Qui a accepté l'unanimité. C'est rendu au point B. Financement temporaire, rapport d'échéance, règlement d'emprunt, V704-0720, redressement des infrastructures routières de la municipalité, V196-0919, programme TEC 2014-2018, règlement d'emprunt, V706-0920, acquisition d'un immeuble pour le service de sécurité incendie. Attendu que la ville de Rondelière a effectué des travaux d'infrastructures routières sur son territoire et son réseau d'égouts et de caducs, notamment sur la rue du Parc. Attendu que la ville de Rondelière a fait l'acquisition d'un immeuble pour son service incendie. Attendu que le financement permettant ces trois projets a été approuvé par le MAMH. Attendu que la ville de Rondelière a procédé par emprunt temporaire pour un financement de ses travaux et acquisition en attente de finaliser le financement permanent et que ce financement arrive à échéance le 30 septembre 2021. Il dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à transiger avec la caisse des jardins du littoral gaspésien quant au rapport d'échéance du financement temporaire de ces trois projets. Que ces emprunts soient sous forme de prêts à demande dont les déboursements et remboursements seront sur avis écrit de la municipalité. Que l'échéance de ces financements soit fixée au 30 septembre 2022. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs à cette transaction. Propose. Proposé par Mme Longeville. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est financement temporaire, règlement d'emprunt V709-0621, décrétant une dépense et un emprunt de 7 734 652 visant des travaux de prolongement de réseau d'égouts d'acaduques et d'égouts sanitaires, secteur rue du Moulin, Horizon, Bellevue, Piagny, ainsi que la réfection des rues des Piagny, de la Bellevue, de l'Horizon et de la Croix et de Rousseau. Attendu que la ville de Rondelière a adopté un règlement d'emprunt relativement à ses travaux le 4 juin 2021. Attendu que ces travaux seront financés à même le programme FIMO, le programme TEC 2019-2023, ainsi que le programme PAVL 2021-IRL. Attendu que la ville de Rondelière a reçu la confirmation écrite que l'acceptation de ce règlement d'emprunt devrait être confirmée à la fin juillet 2021. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir du financement temporaire durant la période des travaux en question. Attendu que l'aide financière approuvée au premier de ce programme sera versée après la reddition de compte final. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à transiger avec la caisse des jardins du littoral gaspésien quant à l'adaptation du financement temporaire au montant de 7 334 652 relatifs aux travaux visés par le règlement d'emprunt V709-0621, que cet emprunt soit sous forme d'un prêt à la demande dont des déboursements et des remboursements seront sur avis écrit de la municipalité, que l'échéance de ce financement soit fixée au 30 septembre 2022, que le maire et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs à cette transaction. Proposé par? Oui. Par M. Moreau. M. Briand, il a rêvé de se lever à la main, mais on voyait avec M. Moreau. Assez vite. Ken, ça, c'est un emprunt temporaire, entre autres, pour le réseau d'égouts de Caduc, puis le projet, comme tu as expliqué tantôt, pour nouer l'asphaltage, réfection de l'asphaltage. Donc, une autre preuve qu'on s'enligne pour la réalisation des projets. Les autres. Point 6, politique familiale, rien à l'heure du jour. 7, MADA, rien à l'heure du jour. 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Projet de construction d'une piste d'athlétisme. Fonds canadien, la revitalisation des communautés Québec, autorisation. Tandis que la ville de Rondelière a pris connaissance des critères d'admissibilité, du taux d'aide et des modalités du dit programme d'aide financière. Pour ces motifs, il est proposé, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière pour la réalisation d'une piste d'athlétisme dans le cadre du Fonds canadien à la revitalisation des communautés du Québec. Propose. Donc, proposé M. Baudin. Donc, juste complément d'information, c'est qu'on a été mis au courant comme quoi qu'il y avait un programme du Fonds canadien dans lequel on avait possibilité de déposer des projets d'ici, je pense, le 26 juillet.
Mais comme vous avez pu voir, le nombre de dossiers dans lesquels on est surchargé, puis qu'on savait même qu'il y a des dossiers qui ont été expliqués par le directeur général, qu'on veut acquérir certains outils pour nous permettre là, de mettre là, d'aller en appel d'offres avec certains projets. Parce qu'on ne peut pas mettre de côté une si belle opportunité. Donc, prochain point, donc on a décidé de passer avec un consultant externe expérimenté qui va être en mesure de pouvoir accompagner le directeur des loisirs. En même temps, ses honoraires sont admissibles. Puis nous, ben, ça nous permettrait de peut-être réaliser ce projet-là. On parle d'un bon investissement pour possibilité d'échanger une bonne aide financière. Bien, projet de construction d'une piste d'athlétisme, accompagnement professionnel en toit de contrat. Tandis que le projet de construction d'une piste d'athlétisme est admissible dans le programme d'aide financière Fonds canadien à la revitalisation des communautés Québec. Tandis que l'accompagnement par un professionnel est nécessaire pour respecter l'échéance qui est le 22 juillet 2021 pour le dépôt des projets de l'édit programme. Tandis que la Ville Grandière a reçu une note de service en accompagnement professionnel de l'Élièvre Conseil de développement des régions, précisément M. Gaétan Lelièvre. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer de gré à gré un contrat d'une valeur de 2 200 $ taxes en sus à l'Élièvre Conseil de développement des régions pour 27 heures d'accompagnement professionnel menant au dépôt du projet Piste d'athlétisme de Grande-Rivière dans le cadre du programme d'aide financière Fonds canadien à la revitalisation des communautés Québec. Proposé par Lucie. Neuf, directeur de service incendie, rien à l'ordre du jour. Travaux publics, rien à l'ordre du jour. Directeur général. Adoption du règlement 2710-06-21 relatif à la sécurité et la paix et de l'ordre. Attendu que toute municipalité locale peut adopter en vertu de l'article 85 de la loi sur les compétences municipales tout règlement pour assurer la paix et l'ordre de bon gouvernement et le bien-être général de sa population. Attendu que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de sa municipalité. Attendu que la MRC de Rocher-Percé propose d'harmoniser le règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre sur l'ensemble des 5 villes ou municipalités de son territoire et que le conseil est en accord avec l'édite proposition. Attendu que le conseil est nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité sur le territoire de sa municipalité. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 21 juin 2021 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il demande proposé par et résolu que le règlement V641-13 soit abrogé et remplacé par le règlement V710-06-21, que le règlement V710-06-21 soit ordonné, statué et décrète ce qui suit, à savoir, avec dispense des dieux, parce que les conseillers ont reçu une copie du règlement préalable à la séance. Ça prend quelqu'un pour proposer, M. Gaston. M. Leblanc, c'est qu'en règle, c'est une modification qui est proposée par la MRC. C'est harmoniser un règlement qui est déjà en vigueur. Donc, il y a eu certains changements, mais ça va être applicable pour l'ensemble des villes, des municipalités. Prochaine personne. Bien, règlement d'emprunt, V706-06-21. Avis de motion de dépôt du premier projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 860 000 visant la transformation des bâtiments en caserne de pompiers. Tandis que l'objet de présent règlement est de réaliser des transformations au bâtiment situé au 139 rue du Pape afin d'aménager une caserne d'incendie et comporte une dépense et un emprunt de 2 860 000. Tandis qu'un avis de motion de présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 12 juillet 2021. Attendu que la caserne actuelle ne répond plus aux besoins actuels et futurs de la municipalité. Attendu que la Ville est devenue propriétaire des mêmes connus et désignés comme étant le lot numéro 5 649 730 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé, avec bâtisse et dessus construite portant le numéro 139 rue du Parc, Ville-Grande-Rivière, province Québec, GOC1VO, circonstances et dépendances en l'acte de vente intervenu le 8 février 2021. Devant le notaire, M. Couture est puis au bureau de la publicité des droits et de la circonscription foncière Gaspé, 10 février 2021, sur le numéro 26-053-151. L'acte de vente est joint présent comme annexe A et que cette annexe fait partie intégrante des présentes comme s'il était reproduit au long. Attendu que ce bâtiment nécessite des travaux d'aménagement et de rénovation pour être transformé en caserne. Attendu que la Ville Grande-Rivière répond aux exigences du programme de réfection et construction des infrastructures municipales, volet 2. Merci. Attendu que la Ville de Grande-Rivière possède une entente intermunicipale. Concernant le partage des coûts, le projet avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé est exposé comme suit. 74,4 assumé par la Ville de Grande-Rivière, 22,6 assumé par la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé déposé en annexe B.
Tandis que la Ville de Grande-Vière a présenté le projet d'infrastructure à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, attendu que la Ville de Grande-Vière et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ont pris connaissance du guide du programme Racine et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant à elle, attendu que la demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme Racine du ministère des Affaires municipales, d'habitation et jugée prioritaire sur une communication écrite du MAMH et que le taux d'aide financière pour ce projet est estimé à 65 % et que la demande d'aide financière est déposée comme annexée. Attendu que l'avis de motion du présent règlement ait été dûment donné lors de la séance conseil du 12 juillet 2021 et que le projet règlement ait été déposé à cette même séance. Attendu que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement V711-07-21 et dûment proposé par résolu. Que le conseil adopte le projet règlement portant le numéro V711-06-21 qu'il soit décrété par le présent règlement ce qui suit avec dispense de lecture. Propose. Proposé par Mme Angenier. Mmh. Oh, il y a une gorado. Ben, à partir de la greffier, pareil, on écrit, là. Mmh. Des écrivains, vieux. Ah! Des écrivains. C'est bien fait. C'est projet de caserne incendie SEAO autorisation. Il m'a proposé par et résolu que le conseil autorise son directeur général à publier un appel d'offres public et sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour la réalisation des travaux d'aménagement de la nouvelle caserne incendie située au 139 rue du Parc. Proposé par Mme Nicolas. Que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Puis juste pour vous dire aussi que dans le schéma de couverture du risque de la MRC, là, dans le document, ben, c'est mentionné aussi que dans un autre secteur, pour l'Ouest, que la caserne n'était plus réglementaire. Ça faisait partie des recommandations. T'sais. Au niveau de la MRC, c'est inscrit dans le schéma de couverture de risque. Donc, un autre dossier avance. Monsieur Lebreu? Un autre dossier. C'est important, les dossiers. Oui. Donc, ça avance. Sur tout ce dossier-là. OMH de Grande-Vière. Approbation du budget révisé 2021 en date du 31 mai 2021. Attendu que la Ville de Grande-Vière a reçu l'approbation de la Société d'habitation de Québec du budget révisé 202 en date du 31 mai 2021 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur les budgets révisés sont les suivants. Revenu 418 448, dépenses 1 068 950. Attendu que les déficits après capitalisation se chiffrent à 650 502. Pour ces raisons, il m'a proposé par et résolu que le conseil municipal de Grande-Vière accepte le budget révisé 2021 en date du 31 mai 2021. Le l'Office municipal d'habitation de Grande-Vière approuvé par la Société d'administration du Québec autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies, 10 % du déficit prévu. M. Berthelot, on avait prévu combien à peu près pour 10 %? 61 000. 61 000, donc on est dans 65 000. 65. C'est sûr qu'il y a peut-être des révisions. Il y a des révisions. Donc, oui. Je demanderai là, aux trois membres du conseil que pour les prochaines révisions, être en mesure de poser des questions quand il va y avoir des variations. Parce qu'on est déjà au-dessus de ce qui avait été prévu comme prévision pour l'année 2021. On en pose des questions, M. Maire. Je sais, mais c'est votre devoir. Oui. Je propose, M. Maire. Proposé par M. Baudin. E. Fabrique de Grande-Rivière, Club de VTT motoneige des Sentiers de Rocher, mandat. Attendu que le Club des VTT motoneige des Sentiers de Rocher ont demandé à la Ville de Grande-Rivière de permettre la reprise de l'ancien sentier destiné aux véhicules en route situé sur la propriété de la fabrique de Grande-Rivière. Attendu que, après analyse de la demande avec le directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il sera possible pour la Ville de Grande-Rivière de joindre le sentier Fight Bike au sentier PDS en saison hivernale. Attendu qu'une entente est intervenue entre la Ville et la fabrique pour l'utilisation de l'entretien de ce sentier. Attendu qu'un rapport de travaux à faire incluant la localisation GPS et une estimation des coûts a été réalisé par la Fédération des clubs quad du Québec pour permettre aux parties de mieux comprendre la teneur du projet. Attendu que la firme d'arpentage de Blanc Service d'arpentage géomatique a été mandatée par les clubs pour localiser le sentier projeté. Attendu que l'échéance pour la signature de droit de passage entre la fabrique et de Grande-Rivière était le 32 juin 2021 à minuit pour assurer le sentier ainsi que les utilisateurs. L'assurance des utilisateurs. Ouais.
Attendu, les objectifs visés par l'intervention de la ville de Grande-Vie-Essendeur, régler définitivement un problème de droit de passage, assurer un accès au centre-ville aux adeptes de véhicules hors route, consolider les activités des clubs quad et motoneige et les retombées économiques directes et indirectes qui sont associées, consolider l'investissement de plus d'1 million pour le pont suspendu, permettre une protection en assurance à la fabrique de Grande-Vière ainsi qu'aux utilisateurs. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que la Ville de Grande-Vière appuie les démarches des clubs VTT motoneige des sentiers de rocher auprès de la fabrique de Grande-Vière pour leur permettre d'utiliser à nouveau l'ancien sentier destiné aux véhicules en route. Que l'entente d'utilisation du sentier et des pratiques de fight bike intervenues avec la fabrique soit annulée. Que le directeur général, son mandataire, a envoyé une lettre d'intention avec ses motivations à la fabrique de Grande-Vière qui était faite, puis qui a même été présentée, puis lue par moi-même directement au conseil de fabrique. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Donc, normalement, c'est un dossier que. Je vous dirais que qu'il y a eu plusieurs rencontres avec plusieurs interlocuteurs. L'objectif, c'était d'arriver à un projet consolidé qui comprendait à l'ensemble. On est appuyé un peu par la fédération à ce niveau-là, qui a fait des recommandations. Donc, toutes nos inquiétudes, la fédération a mieux permettre à la ville là, de s'assurer que tout soit conforme. Il y a eu une demande, par contre, du conseil de la fabrique dans les droits de passage, il y a un renouvellement automatique. A été demandé, si possible, ce qui est entendu, inscrit, comme quoi que les VTT motoneiges s'engageaient de façon annuelle de revenir à la charge pour rappeler aux membres du conseil comme quoi qu'il y aurait 90 jours pour résilier ou pas. Mais ça se fait de façon automatique, mais vu que c'était une demande, c'est inscrit. Moi, je suis bien content de tenir des événements parce que le premier, c'était pas fait. Puis je présentais la grande fête de semaine, les chemins étaient barrés. Il y aurait pu avoir des accidents qui auraient causé peut-être là, pas papier signé, pas d'assurance, qui font en sorte que ça mettait la ville de Grande-Vière dans une drôle de position. Donc, je peux vous dire que le vendredi, j'ai pris mes responsabilités, puis je me suis assuré qu'il fallait que les papiers soient assurés pour éviter qu'un litige judiciaire. Puis des poursuites éventuelles. Je suis très content du dénouement qu'on a réussi là, à s'entendre. C'est pour le bien de l'ensemble de la communauté puis les partenaires. Puis dites-vous que la ville est partenaire de ce dossier-là. Donc, on a travaillé sérieusement. Donc, je tiens à remercier à l'ensemble des partenaires, autant le conseil de la fabrique, le club de VTT, le quad, ainsi que les représentants qui sont aussi autour de la table, qui ont travaillé de façon proactive. Comme vous allez pouvoir, tous les considérants qui étaient mentionnés. F, vente de lot excédentaire, 6 327 012, attendu que le propriétaire du lot, 5 293 566, Linda Lamar, a manifesté son intérêt à acheter le lot 6 327 012, attendu que le lot 6 327 012 est contigu à la propriété, attendu que la résolution 0330320 permet au directeur général de vendre ce lot. Pour ces motifs, de m'en proposer pas résolu que les frais d'appointage ont été réalisés dans le cadre du projet de la rétrocession résolution 092-04-29 soient à la charge de la Ville, que les frais de notaire soient à la charge de l'acheteur, que le directeur général et le maire soient mandatés à signer pour et au nom de la Ville de Grande-Rivière tout document relatif à cette transaction chez le notaire. Proposé par Lucie Nicolas. Les frais d'arpentage, juste pour à titre d'information, c'est que il y a un travail de fond qui a été fait avec Leblanc Service d'arpentage pour identifier les servitudes, parce qu'il y en avait plusieurs sur ce terrain-là. Fait que c'est sûr que la facture d'arpentage, dans ce cas-ci, ça pouvait pas être assumé par un citoyen, parce que c'était nos infrastructures. Puis c'est ça. Habituellement, quand il y a des frais d'arpentage, c'est le vendeur qui les assume, là. Fait que là, ben dans ce cas-ci, c'est un terrain qui est enclavé, qui a peu de valeur, puis peu ou pas de possibilités d'utilisation par la ville. Ça, on demande à ce que, parce que c'est vendu à un prix
c'est minime, là. Fait qu'on demande aux gens de payer des frais d'arpentage et de notaire. Mais dans ce cas-ci, ça impliquait des servitudes de nos infrastructures. Donc, on va être bon joueur, on va payer ces frais-là. Merci. J'ai rue des Trembles, installation d'une autre offre pour la période estivale, attendu que les résidents de la rue de l'Azur ont dénoncé à la ville de Grande-Vière. Plusieurs irritants dont les vitesses excessives des automobilistes, le passage fréquent des véhicules hors route pour accéder au sentier, l'utilisation de la rue comme raccourci pour accéder à l'éco-centre via la rue McTavish, la présence des déchets dans le voisinage en provenant des remorques dont le chargement n'est pas attaché ou couvert adéquatement, la présence d'une grande quantité de poussière en temps sec. Entendu que la ville de Grande-Vière est à mettre des mesures en place pour améliorer la qualité de vie des citoyens en répondant à des besoins du secteur. En conséquence, le document proposé par a résolu que le conseil municipal mandate le directeur des travaux publics à installer des entraves à la signalisation appropriée sur la rue des Trembles pour former un cul-de-sac dans les deux directions. Que ces travaux soient réalisés en juillet 2021, que le directeur général informe la CORREC, les services d'urgence, la régie intermunicipale des gestions en matière résiduelle de l'MRC de Rochette-Percé par les commissions scolaires René-Lévesque et Nestor Shore, qu'un avis public soit affiché sur le site web de la page Facebook de la Ville, c'est le site web de la Ville aussi. Propose. Rien aider la résolution numéro 157. Ça, c'est l'autre point. OK, excuse. Ouais. OK. Proposer, excuse, proposer. Écoutez, donne juste un point d'information. Là. C'est que, comme vous le savez, là, on a investi l'année passée sur la rue de l'Azur, sur la rue des Trembles, pour élargir les rues. On a mis du solide. L'objectif, je sais qu'éventuellement, il y a des terrains qui sont vendus, puis on veut, là, on veut corriger une problématique. On veut éliminer la poussière. On a fait beaucoup de démarches pour avoir d'asphaltage recyclé qu'on n'a jamais pu avoir. Malgré les rencontres des MTQ, il y avait des choses peut-être projetées dans le temps. On a des investissements à faire pour ces deux roues-là. Il y a eu une demande d'un citoyen comme quoi, pour en attendant, s'il n'y avait pas possibilité de faire une entrave à la rue. Donc, suite à cette entrave-là, ben, indirectement, on a reçu un autre lettre d'un autre citoyen qui vient expliquer de façon assez générale comme quoi qu'on a comme un peu dévié la problématique sur la rue des Trembles. Donc, qui cause la poussière. Donc, c'est correct, on peut mettre du calcium, mais le calcium, c'est des investissements de 400 000, puis ça a une efficacité, mais à très courte durée. Donc, on prend la décision pour cette année de mettre des entraves pour éviter la circulation sur ces deux roues qui n'est pas respectée à cause de la poussière. Que les gens utilisent la rue McTavish, la rue Parbeau, les rues municipales asphaltées. Donc, on va travailler dessus. On travaille sur un projet présentement, étant donné qu'il y a des terrains qui ont été vendus, qui éventuellement vont avoir des constructions. On veut apporter l'asphaltage. Mais là, on va arrêter de mettre des plasteurs, puis donc on pourrait s'attendre à décider de bloquer les deux roues. Puis c'était une décision du conseil. Puis je suis allé voir, puis c'est vrai que c'est pour des citoyens qui se perdent dans la poussière. Donc on a assez bien trouvé une solution, mais au niveau de l'asphaltage, juste pour vous dire, la rue de l'Azur, c'est 250 000 piastres d'investissement. Donc oui, la vie, on est prêt à investir avec les nouvelles constructions de maisons. On est en train d'analyser peut-être des taxes de secteur. On est à la table sur le chantier. Mais en étant sur le chantier, il y a une problématique. Donc, en attendant, on a décidé de faire une entrave sur les deux. Je pense que pour cet été, je pense que c'est la meilleure décision. Donc, on demande une collaboration de l'ensemble du secteur, d'utiliser la rue Parbeau, de McTavish, les rues asphaltées, s'il vous plaît. Donc, ça va être fait comme au mois de juillet. Donc, je peux comprendre les gens des rues de la Trembles, mais les rues de l'Azur. Donc là, on n'a fait que dévier le problématique. Donc, on va corriger la situation pour les deux. Dans l'objectif d'arriver à une modification réglementaire l'année prochaine sur les personnes qui vont utiliser. Parce que si, mettons, l'année prochaine, il n'y a pas d'entrave, c'est asphalté, puis que les gens piquent tout le temps par là pour aller à l'éco-centre, il va falloir regarder le statut qu'on veut donner à ces rues-là. Puis si quelqu'un se faisait prendre avec un trailer plein de... Normalement, là, c'est des rues
Mais ça va être assaulté, ça va être d'usage local. Ouais. Le transport, là, normalement, bien, il faut qu'il se dirige par la rue plus centrale, McTavish. Parce que ces rues-là, ça va être des rues locales. Il va avoir des... Donc, il va y avoir une analyse d'ensemble qu'on veut corriger la situation. Donc là, étant donné qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas investir, donc on veut pas... on aurait pu dire, OK, on fait un emprunt de 500 000, puis on asphalte, là. Mais on ne fonctionne pas de même, c'est avant mieux. On planifie nos choses, puis on prend des décisions, puis on a décidé de mettre une décision cette année pour éviter la poussière, puis on va être en mode proactif pour arriver à une solution à long terme. Puis si on a possibilité du financement, de l'aide financière, bien, on va le faire en conséquence. H. Rinzindé, la résolution numéro 157-06-21. Il est dûment proposé par et résolu que la résolution portant numéro 157-06-21 soit rinzindée et ne soit pas remplacée. Donc, peux-tu donner un petit peu plus d'informations, Ken? Oui. Parce que... Bien, si je peux me permettre, Monsieur le maire, c'est que, dans le fond, quand on a parlé de la résolution 137 qu'on avait passée en séance extraordinaire, c'est qu'on avait rajouté un attendu au règlement d'emprunt pour le programme FIMO puis le programme PAVL. Mais finalement, cet attendu-là, ça concernait un règlement parapluie, donc ça ne s'appliquait pas. Donc, c'est qu'on rescinde cette résolution-là parce qu'on va enlever cet attendu-là, finalement, au règlement, tout simplement. Parfait. Puis, proposé par M. Leblanc. Parfait. C'est clair. Modification au règlement V-709, ben c'est parce que juste quand tu le lis comme ça... Oui. juste m'assurer, hein? Oui, c'est ça. Et modification au règlement V-709-06-21, attendu que la résolution 157-06-21 a été rescindée et que l'attendu suivant doit être enlevé au préambule du règlement. Attendu que la Ville de Rambière désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa sur l'article 540... de la loi sur les cités des villes, attendu que cette modification ne change pas l'objet de règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge du contribuable. Il est dûment proposé par résolu que soit enlevé aux attendus règlement V709-06-21 le texte qui suit, attendu que la Ville de Grandière désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe, deuxième alinéa à l'article 544 de la loi sur les cités des villes, qu'une copie de la présente résolution soit envoyée au MAMASH. Proposé par... Proposé par M. Briand. Ben, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. J'ai création d'un poste de proposer au soutien administratif autorisation. Attendu que la Ville désire engager une nouvelle ressource pour effectuer des tâches hors comptabilité. Attendu que la Ville 13.13 de la Convention collective des employés municipaux de Grandvière permet la création d'une nouvelle classification pendant la durée de la Convention et que la Ville s'est entendue avec les syndicats par rapport au titre. La définition et le salaire. Il est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur général à créer un poste de proposer au soutien administratif, qu'il autorise à procéder à l'embauche de la personne qui sera retenue au terme de processus de sélection, que l'employé choisi soit sous la supervision du trésorier. Oui, propos, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Projet d'arrachement rue Bordelot, acceptation du protocole d'entente avec le MAMASH et le MTQ relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Châtie-Canada-Québec. Attendu que la Ville a reçu l'acceptation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministre des Transports relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Châtie-Canada-Québec, excusez, pour l'arrachement de la rue du Bordelot. Tandis qu'elle a reçu le protocole d'entente qui prévoit de l'aide financière, il m'a proposé par résolu que le Conseil accepte le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales d'habitation, le ministère des Transports relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Petite Collectivité du Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour l'arrachement de la rue de Bordelot, dans lequel le protocole s'est joint à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était le leur reproduit. Que le maire, le directeur général, le trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Propose. Proposé par Mme Longelier. L. Edilex, achat d'outils de rédaction et de gestion contractuelle, autorisation.
Tandis que le nombre de devis pour appel d'offres public émis par la Ville Grande-Vière est en forte progression. Tandis que l'outil de rédaction des documents d'appel d'offres prend en compte de toutes nouvelles dispositions aux lois et règlements en vigueur. Tandis que le temps consacré à la recherche et rédaction de ces documents ou les coûts de services professionnels pour les réaliser motivent cet investissement. Tandis que la Ville Grande-Vière a reçu une note de service d'une durée de 3 ans de l'entreprise Edilex Inc. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise son directeur général à signer un contrat d'abonnement d'une durée de 3 ans pour un montant total, de 15 703,52. Taxe en su. C'est parce que je n'avais pas le numéro d'offre de service. Je voulais le mettre en référence. Excusez-moi. Parfait. Propose. Donc, Mme Nicolas, vous êtes d'accord avec ça? Oui. De toute façon, c'est sur 3 ans. Comme vous l'avez expliqué, on va sauver en temps, en énergie. On va s'assurer d'avoir des documents conformes. Puis juste pour vous dire, quand on a eu notre rencontre avec les MTQ, le directeur général nous faisait part souvent. Les municipalités, des fois, on voit un appel d'offres. Puis on met des éléments supplémentaires qui font augmenter les factures. Puis c'est des travaux, des fois, qui n'est même pas fait. Que le fait d'avoir des défis le plus précis possible, bien, ça vient coûter, ça vient éviter des coûts. Je pense que faut pas voir ça comme une dépense, mais plutôt pour un investissement pour la ville. Là, je regarde Mme Le Greffier qui me fait signe avec le doigt en l'air, donc il est 9h moins quart. Donc, on va mettre fin à la séance pour les questions publiques. Je regarde là, mes messages textes. Présentement, pas de message citoyen, plus de messages de mes filles. Peut-être redonner ton numéro de cellulaire, si jamais. Oui, ouais. Donc, comme d'habitude, là, je peux vous laisser mon numéro de cellulaire, 418-782-4304. 418-782-4304. Vous pouvez m'envoyer un message. Comme là, on est en séance publique ce soir, puis qu'il n'y a pas nécessairement de message, je vous invite toujours à m'envoyer, si vous avez des questionnements, je m'engage là, à mettre le directeur général au courant. Puis, soit le directeur va communiquer directement avec vous, ou c'est d'ordre administratif, ou la greffier, ou un autre directeur. Mais il va y avoir un suivi. Donc, puis, si c'est au niveau politique, à ce moment-là, au besoin, je prendrai contact directement avec le citoyen. Donc, je vous invite, là, au besoin, de m'envoyer là, votre information. Si c'est vraiment d'ordre administratif, je pense des fois ça va aller beaucoup plus vite si vous contactez directement le directeur général ou le directeur là, en question, soit en passant par la greffière ou Mme Annick Smith. Donc, vu que je n'ai pas de questions, donc, il faudrait revenir à la séance proposée par M. Baudin. M. Remboursement de taxes foncières, propriétaire de l'eau 5 549 366, pièce d'auto GLR. Tandis que le cadre du projet de construction du parc commémoratif, la Ville Grande-Vière a déménagé son enseigne numérique sur le lot 5 549 366, propriété de pièces d'auto GLR. Attendu que lors de la mise à jour du rôle d'évaluation foncière faite par Servitec, la valeur de dite enseigne établie en 23 561 a été imputée au propriétaire. Tandis que les responsables à la taxation municipale a procédé au calcul des sommaires retournées au propriétaire pour les années 2019, 2020, 2021. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu que le conseil municipal autorise la trésorerie à procéder au remboursement d'un montant de 1194,34 à pièces d'auto-gérant pour le trop perçu en taxes foncières pour les années 2019, 2020, 2021 en fonction de la valeur de l'enseigne numérique de la ville installée sur le lot 5 549 366. Ce que je comprends bien, c'est que le 1194,34, c'est pour les 3 années? Ouais. Parfait. Je vous propose. Proposé par M. Leblanc. Puis on va être obligé de procéder comme ça toutes les années parce que ça va avec le numéro de l'eau. Puis, les taxes. C'est la façade, c'est la façade du lot en plus. Fait qu'on on va le régler comme ça. Ça, Ken, c'est pour le droit de mettre la pancarte là. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que vu qu'il est sur le terrain du propriétaire, ouais. Bien, quand Servitec a fait l'évaluation, c'est pas subdivisé Ville de Grande-Rivière, c'est vraiment... Fait que là, il faut qu'il impute la valeur de la pancarte au propriétaire. Okay. Mais ça fait augmenter son évaluation, mais nous autres, la différence, okay, c'est environ 400 piastres par année.
on va y repayer. Okay. Donc là, on fait 2019, 2020, 2021. Lui, est-ce qu'il nous charge quelque chose pour l'allocation de ça? Non, c'est une entente. C'était juste une entente avec la ville. Oui? Ouais. Une bonne entente. C'est une bonne entente. Mais là, pas en plus de tout, on rembourse le supplémentaire. C'est que correct. Il y avait un questionnement, puis finalement, on s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas à payer pour quelque chose qui appartenait. Ben, c'est correct. C'est ouais. Bon. C'est bon? Proposé par Gaston. Gaston. Proposé par Gaston. Monsieur Leblanc. N est dûment proposé par et résolu. Je pense que juste passer à. Maison des Jeunes. Oh oui, mais Maison des Jeunes de Grande-Vielle demande d'exemption de taxes municipales N, attendu que l'organisme mentionné en titre a obtenu le 13 mars 2012. Une reconnaissance offerte à l'exemption de taxes pour les mêmes situés au 3 Grande Allée S à Grande-Rivière, attendu que le corps de la révision périodique. L'organisme a fait parvenir certains des documents dont une copie nous a été transmise pour consultation, attendu que la municipalité a 90 jours à compter du 30 avril 2021 pour transmettre son opinion à la Commission municipale de Québec. Il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal de la ville de Grande-Rivière adopte une opinion neutre face à la demande de révision d'exemption de taxes foncières dans le dossier numéro de référence CMQ 56-896-003 et s'en remet à l'addition de la Commission municipale de Québec. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission municipale du Québec. Proposé par Mme Langelier. Oh, MRC Rocher-Percé, projet d'implantation d'une carrière, Gervais Dubé Inc. Entendu que l'entreprise Gervais Dubé Inc. a pour projet d'implanter une nouvelle carrière dans un secteur limite territorial de la ville de Grande-Rivière et de la municipalité Sainte-Thérèse-de-Gaspé, secteur de la rivière Gagnon. Entendu qu'en vertu du schéma d'aménagement de la MRC Rocher-Percé, le secteur visé par ce projet fait partie des territoires jugés incompatibles avec l'activité minière, TIAM. Tandis que sous réserve d'un accord inconditionnel entre les deux municipalités, une demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC de Rocher peut être adressée. Attendu que de nombreux motifs administratifs, réglementaires, législatifs et législatifs sont à analyser ou à revoir avant que la ville de Grande-Rivière et la municipalité Sainte-Thérèse-de-Gaspé n'envisagent un tel projet dans ce secteur. Attendu que les préoccupations des deux municipalités touchent, entre autres, les impacts sur la qualité de l'eau potable, la mise à niveau, la fréquence et les goûts d'entretien périodiques du chemin des Rameaux, le partage de la ristourne sur l'exploitation et l'utilisation des voies publiques municipales pour le camionnage, est dûment proposé par et résolu que la ville de Grande-Rivière ne cautionne pas l'implantation d'une nouvelle carrière dans le secteur limitrophe de sa municipalité que la municipalité de Sainte-Thérèse-Gaspé tel que prévu dans le projet présenté par l'entreprise Gervais Dubé Inc. Que M. Moreau, voulez-vous juste donner une information supplémentaire? Oui, c'est que l'entrepreneur du Bas-Saint-Laurent a reluqué ce terrain-là, ce lot-là, depuis longtemps. C'est l'ancienne, mieux connu sous l'ancienne carrière de M. Dessel-Cauvier, qui est dans le secteur Chemin des Rameaux, dans le coin de la rivière Gagnon. Fait que ce qui est spécial avec ce projet-là, c'est que autant d'un côté que de l'autre, des limites de Grande-Rivière puis de Sainte-Thérèse, c'est là que la carrière aurait été implantée. Fait que là, on vient de faire l'étude de vulnérabilité. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs raisons, mais au niveau de la qualité de l'eau potable, c'est qu'on vient de finir notre étude de vulnérabilité de notre source d'eau potable, qui est la rivière Grande-Rivière. Puis la rivière Gagnon, on s'entend que c'est un affluent important de la rivière Grande-Rivière. Fait que l'exploitation d'une carrière, ça émet des sédiments. Fait que là, dans notre étude, l'arrivée d'une nouvelle carrière, ça n'avait pas été pris en compte. Fait que là, il aurait fallu demander un avis de modification à notre étude par rapport à la qualité de l'eau potable. Mais avant ça, ça prenait... comme le dit la résolution, un accord, une entente inconditionnelle entre les deux municipalités. Mais si on prend, par exemple, la carrière Brousseau, okay? L'année passée, c'était une année qui était exceptionnelle au niveau de l'exploitation, exceptionnelle au niveau du dérangement aussi, puis de la gestion des activités par la municipalité auprès de ses citoyens. C'est un type de problématique que j'imagine qu'on aurait moins retrouvé dans le secteur visé par le projet
la carrière du B. Par contre, il y a des pour et des contre. T'sais, pour sortir la pierre, ça prend des voies publiques. Il est impossible de sortir de la pierre par le chemin des bois parce que le chemin des bois est de propriété MTQ. Le camionnage est interdit. Pour la municipalité de Sainte-Thérèse, de sortir la pierre par la route centrale, c'est impossible aussi parce que c'est une route municipale où le camionnage est interdit. Fait que là, ça prendrait des modifications réglementaires, des demandes de tout ça. Fait que ça, c'est juste pour le transport. Au niveau de l'entretien, bien, vous avez remarqué que si vous avez roulé sur le chemin des Rameaux ce printemps, là, elle a particulièrement été affectée par le gel des gels. Il y a eu beaucoup de travaux de camionnage les dernières années. Puis là, il y a eu l'apparition de panses de bœufs un peu partout. Fait que là, ce qu'on voulait qu'on fasse, c'est que la municipalité de Sainte-Thérèse n'était pas contre le projet comme tel, mais par contre, de remettre à niveau le chemin des Rameaux sur une aussi longue distance, c'est des coûts importants. Fait que là, ça veut dire des investissements des deux municipalités. La municipalité, mettons, sur cette longueur-là, la municipalité de Sainte-Thérèse est propriétaire de 75 % de la largeur du chemin, puis Grande-Rivière de 25 % Fait que ça aurait été la municipalité de Sainte-Thérèse, avec moins de population, moins de richesses foncières, qu'il aurait fallu qu'il fasse le plus d'investissements dans cette rue-là. Ils ont même, sans avoir passé de résolution, ils ont même apporté sur la table la possibilité de céder le chemin à la ville de Grande-Rivière pour, si jamais on calculait que ce dossier-là aurait été possible. Par contre, au niveau de la ristourne, vous savez, tantôt, je n'ai pas fini mon idée, là, la carrière Bousseau, ça nous a rapporté 89 000 $ de ristourne d'exploitation, donc à 59 sous de la tonne. Fait que là, on ne peut pas prétendre quelle sera la production là-bas, mais admettons là, que ça produit comme ça produit l'année passée à carrière Bousseau, 86 000 $ pour un chemin forestier, c'est négligeable par rapport à l'argent que la municipalité aurait mis là-dedans. Fait que là, il y avait une question, je disais ça, c'est de la mettre à niveau, mais de l'entretenir. Et le fait qu'il y a du camionnage, à quelle fréquence qu'on aurait besoin d'aller passer le gradeur puis de la mettre belle? T'sais, là, présentement, là, on se range jusqu'à au cimetière Saint-Gabriel. Saint-Gabriel, c'est ça. On y va une fois par année, puis on fait les chalets, puis les trois couronnes deux fois. T'sais, ça fait que... Mais s'il fallait y aller 5-6 fois parce que là, on devient responsable du tronçon, ça coûte comment? Fait que là, il y avait plein d'inconnus là-dedans. On savait qu'il y avait déjà des interdictions. Puis on savait que les revenus, bien, c'est sûr qu'ils ne dépassaient pas les dépenses. Fait que là, il y avait plusieurs... Puis en plus de ça, l'eau potable, bien, ça, c'était commun comme problématique, autant pour Grande-Rivière et Sainte-Thérèse, parce qu'on prend notre eau à même place. Fait que... Considérant tout ça, on a décidé de ne pas aller de l'avant pour modifier nos études puis ça. Donc on a dit ce que j'ai proposé puis que j'ai expliqué aussi au maire avant de donner un mandat de modification de schéma d'aménagement à MRC, c'est qu'on ne touchait pas à ça pour l'instant. On n'avait pas de point qui nous permettait de prendre une décision éclairée à ce moment-ci. Ben, avec les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, là, comme vous avez pu voir, il y a les plus, il y a les négatifs, il y a les impacts, les investissements à venir. Fait que, il aurait fallu que la ville devienne propriétaire à 100 % sans nécessairement savoir ça aurait été quoi le partage des redevances. Puis comme vous le savez, bien, il y a les impacts là, sociaux au niveau de la communauté de l'exploitation d'une carrière. Puis au niveau des redevances, bien, pour ma part, à moi, malgré que la carrière à Grande-Rivière a servi pour approvisionner la mise à niveau du quai à percer, Sainte-Thérèse puis Grande-Rivière, à moi ce qui me concerne, pour 90 000 $ qu'on a été recherchés l'an passé, avec les investissements qu'on a à faire au niveau municipal, puis avec la gestion qu'on a dû faire avec le dynamitage, le camionnage. Ce qui me concerne, c'est que si on veut exploiter une carrière à l'avenir, il va falloir que le gouvernement du Québec revise la redevance aux municipalités pour s'assurer que
Hein? C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. S'il si y a un contrat de 10 millions ou 15 millions d'avance, je veux pas, avec ça, ça attend, pas même chose. Je veux pas faire de parallèle, là, mais si même à Galice, il y a des impacts, mais quand tu as un compte de taxe de 2 millions, ouais, je dis pas d'avoir 2 millions, mais si tu avais, mettons, un revenu récurrent de 250 000 par année, ah, pas même chose. Ben là, tu as les moyens d'eux, puis... mais quand là, c'est juste, là... Là, on s'assirait, on l'oserait. Présentement, la façon que c'est présenté, la façon dont ça a été soumis avec les conditions qu'il y a présentement, il y a trop d'inconnus présentement pour prendre des décisions. Puis, étant donné que ça prenait un accord des deux municipalités, puis de la façon dont ça a été présenté, bien, Saint-Thérèse avait déjà manifesté leur intention comme quoi de ne pas aller de l'avant. Donc, nous, face à ces conditions-là, la recommandation du directeur général, c'est comme chose, le statu quo. Donc, oui, on ne va pas de l'avant avec le projet qui a été présenté présentement. Mais par contre, il faut se dire une affaire, c'est qu'il y a beaucoup de projets de développement sur la table dans, pour les à partir de l'année prochaine aussi. Puis partout ce qui est du développement, c'est sûr que la présence d'une carrière, c'est important. Là, on en a une, mais si est-ce qu'on est prêt à y aller pour une deuxième, il y a aussi le libre marché. Là, fait que le fait qu'il y en a plusieurs, c'est qu'on est capable de magasiner le prix de nos matériaux pour nos projets. T'sais, il y a des pour, il y a des contre. En date d'aujourd'hui, non, moins que les informations que nous avons, ouais, il y a trop de paramètres inconnus qui peuvent avoir des impacts considérables sur une municipalité. Donc, il y a du travail encore à faire. Donc, en date d'aujourd'hui, on n'est pas en mesure, suite à votre recommandation, c'est une des raisons pourquoi que, c'est qu'on ne va pas de l'avant présentement, de la façon dont le projet a été présenté. Proposé par M. Leblanc. P. Travaux d'appointage, LSAG, Inc. Mandat est proposé par résolu que la firme d'appointage Leblanc, service d'appointage et géomatique soit mandatée à réaliser les travaux suivants. Localisation de la ligne de l'eau entre les lots 6 192 910 et 5 649 719. Deux, localisation de la bonne fontaine située sur le lot 5 650 076 pour projet de déplacement. Proposé par M. Baudin. Douze, urbanisme, adoption, règlement numéro U016-05-21, modifiant le règlement de zonage U006-03-19. Considérant que le Conseil est peu en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et modifier selon les dispositions de la loi, considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications au règlement de zonage pour une administration de ceci, considérant que le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Rondière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 mai 2021. Considérant que le conseil municipal a adopté la séance ordinaire du 10 mai 2020, le premier projet de règlement numéro U016-05-21. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de la séance publique consultation tenue le 14 juin 2021. Considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 14 juin 2021 le second projet de règlement U016-06-21. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin de règlement U016-05-21 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Pour ces motifs, il doit proposer par résolu, que le Conseil adopte par la présente le document intitulé règlement numéro U016-05-21, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Rivière, qui se lit comme suit, avec dispense de lecture. Je vais vous donner une petite précision, M. Moreau. On va la greffier, une des deux. Oui, ça, c'est le règlement qui modifie le schéma d'aménagement en arrière. Ben, en dimension? Non, le. BMR. En arrière du BMR. Ouais. OK. Pour permettre la construction de 4 à 6 logements. OK. Puis aussi celui qui concernant les garages et dépendances, là, puis les serres. Parfait. Okay. Ça, c'est là, à partir, là, il y a des gens qui me posent des questions, que c'est à quel moment qu'ils vont pouvoir faire les demandes de permis pour... Bien là, nous, on adopte le règlement ce soir. Vous avez une séance du conseil des maires à la MRC mercredi. Oui. Mercredi, la directrice, Mme Roussy, va l'apporter à la séance. Si les maires... l'accepte, ça va être officiel. Suite à ça, officiel. Donc, ouais. Moi, j'ai des cas, je peux juste, je sais qu'il y a certains citoyens
qui avait des demandes de permis qui étaient en suspens parce que les dimensions de terrain ne pouvaient pas. Puis on a fait des démarches. Là. Donc à partir de mercredi, avec les nouvelles mesures, ils vont pouvoir faire les demandes de permis, c'est ça? Bien, à partir de, je vous dirais, probablement lundi prochain, là, le temps que Mme Rossi fasse la résolution puis qu'est-ce qu'il y a après. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y avait un processus présentement, il y avait comme un délai. Là. Ouais. Puis ça, bien, c'est tout en relation aussi avec les vannes. Là. Je profite de l'occasion, là, c'est qu'au niveau des vannes, comme vous le savez, il y avait un règlement qui était en vigueur depuis 2002. L'année passée, le conseil des maires avait décidé d'aller de l'avant. Donc, la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, ils ont pris des mesures. Comme vous voyez, il y a un privé qui a aménagé des endroits pour un entrepôt de vannes. En nous, ce qui nous concernait, c'est qu'il y avait eu des demandes des gens qui voulaient se départir des vannes, mais que notre règlement d'urbanisme faisait en sorte qu'il y avait des contraintes qui ne pouvaient pas agrandir. Donc, après une évaluation du secteur, c'est qu'on a fait les démarches, que là, on va être conforme, que les gens vont pouvoir grandir, ils vont pouvoir se départir des vannes. Puis j'invite aussi les gens qui ont des vannes, ben, peut-être d'envisager, peut-être de contacter le propriétaire privé à Sainte-Thérèse si vous voulez faire installer votre vanne là-bas pour pouvoir utiliser le terrain pour faire de l'entreposage. Donc, nous, à Grande-Vière, les secteurs qui avaient été choisis, ben, nous, sur notre côté, nous autres, c'est... Je pense que c'est I5, I7 là, pour le secteur, le centre de tri, puis aussi centre de tri, puis Actibec. Pour mettre au niveau de l'entreposage, parce que c'est dans notre secteur de zone industrielle. Là. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'au niveau de la réglementation, au niveau des vannes, donc juste pour vous dire, pour vous conformer, les gens qui savaient qu'il y a des vannes sur votre terrain, ben, à partir de la semaine prochaine, nous, on a fait toutes les démarches qui sont en place. Donc, vous avez été avisé par lettre. Donc, vous avez eu pratiquement un an d'extension de prendre les démarches pour vous départir de vos vannes, de vos terrains. Puis, ben, peut-être que je vous communiquer directement avec le propriétaire privé à Sainte-Thérèse qui peut-être qu'il aurait l'intérêt d'en prendre possession pour offrir de l'entreposage à certains pêcheurs. Puis, ils vont pouvoir agrandir le garage. Déjà. Bonne chose. Donc, c'est clair assez? Oui. Proposé par M. Baudin. Bien, demande de permis de construction. Lot 5 788 727 Grand Allée Ouest. Du proposé par, résolu. Que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 02-21, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 23 juin 2021. Le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5 788 727 à un frontage sur la Grande Allée Ouest. Le tout étant conforme aux exigences du règlement U-009-03-19. Propose. Proposé par Mme Longely. Ça pour dire demande de permis, les informations que j'ai aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, là, pour l'année en cours, il y a 8 demandes de permis pour construction neuve. On sait qu'on s'avait donné un objectif d'à peu près une moyenne de 10 par année. Donc, M. Moreau me faisait part que dès l'acceptation du règlement d'emprunt, puis la mise en chantier des travaux 28, normalement, il y aura au moins 4-5 nouvelles demandes de construction de bâtiments. On sera en-dessus de la moyenne qui était prévue de 10 maisons. Il me parlait au moins de 12. Ouais. Il y a quelqu'un qui a proposé, hein? Oui. Oui. Parfait. Valérie. 13, informations, conseils, correspondances. Monsieur le maire fait la présentation FS1 du rapport financier 2020, la municipalité. Que j'ai le document. Une chance, c'est une séance du mois de juillet. Oui. Une chance qu'on a eu extraordinaire. Ah! Fait saillant du rapport financier 2020 par M. le maire Ginoncé. Conformément à la loi 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente le rapport sur les faits saillants du rapport financier 2020, lequel, sans les nouvelles dispositions de la loi 122, remplace le rapport sur la situation financière de la ville qui est habituellement déposé en avant. État financier 2020, le dernier rapport des vérificateurs tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton stipule que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2020.
ainsi que les résultats de ses opérations et d'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Fait saillant de l'exercice financier terminé au 31 décembre 2020. Recettes 6 554 891. Dépenses 6 038 738. Excédent 516 188. Toujours au 31 décembre 2020, le surplus accumulé non affecté se chiffrait à 635 478, alors qu'il était de 129 290. Un an plus tôt, l'excédent d'opération 2020, les affectations et les redressements d'exercices antérieurs expliquent cette hausse. Fonds de roulement. Le fonds de roulement s'élevait à 500 000 et l'encaisse s'établissait à 248 774. Notre réserve financière s'élève à 335 944. La dette à long terme est de 9 730 484 qui se divise de la façon suivante. L'ensemble de la municipalité, 2 402 334. Une partie de la municipalité, 3 339 814. Du gouvernement du Québec, 3 988 332. Programme triennal d'immobilisation. Ce document contient particulièrement le coût estimé d'un certain nombre de projets qui pourraient être exécutés en cours d'une période de 3 ans, soit des programmes évalués ceci à 12 474 000 pour les années 2021-2022-2023. Puis je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, bien, avec les projets qui sont en cours, pratiquement 75 % du plan triennal va être réalisé. Contrat. En vertu de la loi, je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière de la municipalité. OMH Grande-Vière, 69 691. Port de la Ville, déficit. Tetra Tech, 155 005. Honoraire, émissaire, PAVL, AIRL, Fimont, prolongement d'Aqueduc, secteur, rue du Moulin. MRC Rocher-Percé, 574 029. Côte-Port de la Ville. MRC de Rocher-Percé, 67 050. Tenu à jour du rôle d'évaluation. RBC Assurance, 109 492 programmes d'assurance collective. Groupe Ultimo Inc., 123 751 assurance de la ville. Berthelot Entreprise électrique, 36 373 lumière de rue à infrastructure. LFG Construction, 147 508 rue du Pape, réfection. Eurovio, 86 771 asphalte des rues. Leblanc Environnement, 48 057, nettoyage égout, station. Enervolt, 52 263, travaux d'infrastructure. Sûreté du Québec, 194 285, police. Univar Canada, 78 722, produits chimiques, usines de filtration. Groupe Michel Leclerc, 1 108 512, redressement infrastructure routière. Ferblanterie Gaspésienne, 55 785, ventilation Espoir-Calant et Sius. Desroches Groupe Pétrolier, 55 668, carburant, machinerie. Entreprise Sylvain Leblanc, 35 160, travaux d'asphaltage. Real Ut Inc., 52 894, compteur d'eau, pièces d'Acaduc. Matériaux Kega, 625 000, achats, bâtiments, casernes. Rémunération à collision et allocution de dépenses des membres de conseil. Conformément à l'article 11 du règlement sur le traitement des élus municipaux, je dois indiquer la rémunération et l'allocation des dépenses des membres du conseil pour 2020. La rémunération du maire est de 27 094 et son allocation de dépenses est de 13 546. La rémunération des conseillers est de 9 031 et leur allocation de dépenses est de 4 515. La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1770 et son allocation de dépenses est de 886 $. La rémunération du maire pour siéger les MRC est de 4 722 $ et son allocation de dépenses est de 2 315 $. La rémunération du maire suppléant pour siéger les MRC est de 180 $ et son allocation de dépenses est de 45 $.
Budget 2022. Au cours des prochains mois, le conseil municipal analysera les orientations que prendra le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Le présent rapport peut être obtenu ou examiné au bureau de trésorier et sera également diffusé sur le site Internet de la Ville au cours de cette semaine. J'ai annoncé à moi. Ce que je peux vous dire, je suis très satisfait des faits saillants du rapport. Je pense dans 4 ans, avec l'ensemble des réalisations, des investissements pratiquement de 50 millions sur le territoire dans 4 ans, puis quand on voit l'état de finances de la ville, donc, je considère que les membres du conseil administratif ont fait un excellent travail. Donc, je pense qu'on peut se permettre de s'adjoindre à un adjoint administratif pour nous accompagner dans notre développement. Il faut le voir comme un investissement. Donc, tour de table des conseillers. Monsieur le maire fait part des informations de correspondance pertinentes. Bon, là, il est 9h15. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Bon, premièrement, on a eu par courriel des confirmations d'investissement, mais on ne peut pas dévoiler les montants d'argent parce qu'on a, là, tu sais, à respecter, là, du coup, on a une certaine politique à respecter, là, tu sais, pour aviser, mais juste pour vous dire qu'au niveau du programme D de la voirie locale, entretien des routes locales, on a eu une autre aide financière pour un montant maximum de 2, donc, qui va nous permettre de faire certains travaux. On va laisser là, au moment opportun peut-être une communication pour pouvoir vous donner l'information. En date du 7 juillet 2021, on a eu aussi la bonification additionnelle au niveau de la TIC 2019-2023. On est passé de 1,5 million à 1 million. Je ne vous dirai pas le montant. C'est 300. Je n'irai pas aussi précisément que le directeur général. Je me garde un doigt de réserve. On a eu une bonne bonification qui était attendue. Donc, c'est intéressant au niveau des investissements. On avait reçu aussi par courriel le 11 juin. Là, il y avait un programme d'aide pour aider les ménages de recherche au niveau de logement. Mais je peux vous dire que dans ce qui nous concerne présentement, il n'a pas de disponibilité de logement, donc d'offrir de l'accompagnement pour ça ne s'applique pas nécessairement présentement pour notre secteur. En date du 23 juin 2021, on a vu par Mme André Laforêt comme quoi qu'avec la reprise des cours de vie normale, des activités sportives, des grands événements, donc il nous recommande très fortement de s'assurer d'avoir des défibrillateurs cardiaques là, dans certains endroits. Là, je sais qu'on a un, comme étant au complexe sportif, on en a deux. Donc, un complexe sportif, entre autres, pour le 15 jours. Donc, il y a certains endroits que c'est important. Je sais aussi qu'il va y avoir de la formation aussi pour les étudiants au scolaire Barboteuse. J'ai été mis au courant de l'information à ce niveau-là, pour Securis. Donc, c'est toutes des choses qui sont très importantes. 22 juin 2021, on a eu une aide financière à un montant maximum de 1 million et quelques. Je n'irai pas aussi détaillé que M. le directeur, mais ça fait partie du projet de réseau Ligou-Lacaduc, que je peux vous dire que ça a été un gros exercice, ça a été très demandant, mais comme M. le directeur général l'a mentionné, ça va nous permettre aussi de faire des investissements puis d'apporter des correctifs à certaines problématiques majeures du secteur. Bon, ça c'est les dossiers. Bon, là, je vais essayer d'aller vite là, au niveau des dossiers prioritaires. Là, bon, Renault-Région. Sur le 1,2 million, c'est qu'on va avoir, nous, la municipalité de Grande-Ville, à peu près 240 000. Au niveau des inscriptions, j'ai été informé aujourd'hui qu'il y a 26 demandes qui avaient été déposées en tout. Donc, 18 inscriptions admissibles. Il y en a deux présentement qu'on pourrait remonter avant, mais qui manquent certaines informations, qui sont en train de compléter les informations. Dans les refus, il y en a 5 qui ont été refusés parce que ils ont demandé de l'aide
dans un délai de 10 ans, à l'intérieur de 10 ans, de un ou des deux programmes. Donc, à cause de tout ça, il peut faut être admissible pendant ce moment-là. Puis, il y en a un, entre autres, ce que son revenu était excédentaire là, à la limite permise. Il nous restait 9 dossiers en cours. Je sais que les gens sont informés. Donc, je veux juste informer que ces gens-là ont été rencontrés. Puis les 9, là, vous regardez votre priorité pour les travaux. Donc, avec 240 000, si on y va, mettons, en moyenne d'à peu près là, à 12 000 par projet, on est en mesure de réaliser à peu près 20 projets cette année. Ça veut dire les 9 qui sont en cours, plus 11... sur les 18 au 20. Bon. Donc, ça pour dire que ça va nous permettre là, cette année de faire un bonbon. Un grand pas, je veux dire, parce que je sais qu'il y a des gens là, que ça fait longtemps qu'ils attendent, ouais. Donc c'est très, très urgent. Puis les fins d'urgence, ça n'existe plus. Donc, je suis très content là, pour les 9 projets qui sont en attente là, de pouvoir bénéficier du programme. Puis les autres, ben, ça pour dire, c'est qu'il n'y a pas de tirage. C'est que nous, la municipalité de Grande-Vière, on a laissé la MRC maintenant, étant donné que c'est les autres qui gèrent le programme, c'est les autres qui ont les dossiers, c'est les autres qui vont analyser, c'est les autres qui vont aviser un peu l'homme. Donc, je pense que devant une année d'élection, c'est justifiable que cette gestion-là se fasse par un tiers parti pour que ce soit plus transparent, plus équitable. Donc, nous, les membres du conseil, nous, correct. On se tient à l'écart de ça. Dossier à air ouverte, comme vous le savez, on a eu la conférence de presse de M. Lionel Carman. Donc, ça a permis aussi de faire la visite de notre centre de vaccination à Grande-Rivière. Puis, je peux vous dire que les allocutions, entre autres, du président, M. Richard Loisel, a mis vraiment de l'avant la collaboration, le partenariat de la ville de Grande-Rivière pour air ouverte. Parce qu'air ouverte, on est... C'est la première ouverte qui est en fonction présentement à Gaspésie. Ils vont en avoir une à Gaspé, mais on est même dans un projet de construction. Puis nous, on est déjà très avancé parce qu'on a déjà identifié les terrains. Tout est avancé, ce qui n'est pas nécessairement le cas à Gaspé. Mais par contre, là, c'est le 6 qui est porteur de tous les deux dossiers. Donc, on est bien contents. Là, je pense que ça va être une belle offre de service qui va être offerte aux jeunes 12-25, pour autant pour les jeunes de Grandville, mais pour la MRC. Au complet. Dodon, Beaulard, au niveau, il y avait un rapport, je l'ai mentionné tantôt, au point du directeur. Sentier à Fabrique, ça a été parlé aussi. Réseau d'égout de Caduc, le directeur général, ben, je vous invite au niveau des gens qui voudraient profiter d'une réglementation spéciale, d'une aide financière ou les réseaux privés, ben, de communiquer le plus tôt possible là, avec Mme Annick Smith pour leur transmettre de l'information. Sur leur propriété pour qu'ensuite le directeur général ou la greffière puisse communiquer là, avec vous pour aller chercher des informations complémentaires. Donc, Léopold, si les gens te posent des questions, appelle Annick Smith. Elle vient de marquer, monsieur. Ouais. 385-22-82. Parlez à Annick Smith pour être en deal et veulent profiter. Ah, ça va être fait, pas de danger. Dimanche, on a eu un très bel hommage là, à M. Arsenault. Donc, j'ai eu l'honneur là, de dire, puis comme vous le savez, M. Monseigneur Arsenault a fait une très belle contribution à la ville de Grande-Vière. Donc, je pense que c'était important. Puis, ce qui était intéressant, c'est que les gens, il n'y a personne qui a sorti de l'église, tout le monde est resté pour écouter l'hommage. Puis, je pense que ça a été apprécié. M. Leblanc était présent. Je pense qu'on a bien aimé ça. Zone d'innovation à l'UT du Québec, tout pour dire, c'est qu'un poste qui est ouvert par la Corporation de développement académique, un directeur là, de zone d'innovation, donc projet majeur, un plan d'action avec des investissements pour 252 millions d'investissements pour d'ici les 5 prochaines années. L'objectif, c'est d'avoir l'accréditation. Donc, présentement, il y a un projet de zone d'innovation maritime en collaboration avec Rimouski, qui comporte la ville de Grande-Vière ainsi que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, dont MRC Rocher-Percé. Donc, c'est un projet très porteur, très intéressant. Donc, à partir du 16, là, je vous dirais que normalement, suite à la réception des candidatures, il va y avoir là, un comité de sélection dès l'embauche. Puis, à ce moment-là, il va être opportun que moi, à titre de maire de la ville de Grande-Vière ainsi que M. Roberto Blandin,
maire de la municipalité de Sainte-Thérèse, qu'on a travaillé en très forte collaboration, en partenariat de ce dossier-là, très porteur pour l'industrie des pêches. Donc, au moment opportun, on va faire une conférence de presse avec l'ensemble des partenaires qui font partie du projet. Donc, moi, je peux vous dire que dans les 20 dernières années, je trouve que c'est le projet le plus structurant qui va apporter des réelles retombées économiques directes et indirectes dans le milieu. Puis on va être vraiment en mesure de vraiment mettre pour une fois de l'avant de l'importance des retombées économiques directes et indirectement, directes et indirectes de la ville de Rivière ainsi que la municipalité de Sainte-Thérèse. Parc d'hivernage à bateau, un point. On attend toujours de savoir du fédéral où ce qu'ils vont prendre 1,4 million pour nous aider à attacher la structure de financement. Donc, voilà la question. Rue des Trembles, on a parlé. Rencontre MTQ, on a eu une rencontre, moi puis le directeur général. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que oui, depuis 2006 jusqu'en 2023, il n'y a pas eu d'investissement majeur. Mais entre autres, ce qui m'a été mentionné pour la rue des Bois, on est en mode planification. Puis à partir de 2023, on parle des investissements majeurs. Avec au niveau d'accotement, on parle aussi des investissements majeurs aussi là, sur sauteur ouest. Donc, j'ai mentionné tantôt à M. Dubé qu'au niveau des travaux pour un chemin de fer, c'est qu'effectivement, il va y avoir des travaux là, pour s'assurer qu'il y a des nettoyages qui sont faits. Donc, moi, je m'assure qu'à partir de 2023, que la ville de Rivière va pouvoir avoir ses investissements. T'sais, comme mentionné, oui, dans un rapport, comme quoi que la MRC Roger Percé va avoir 38 millions d'investissements. Mais moi, là, j'ai toutes mes lettres, je tiens mes courriels à jour, je fais un suivi assez régulier de l'ensemble. Puis je pense que suite à la discussion qu'on a eue, le MTQ là, comprend un peu les raisons, le pourquoi, entre autres, la rue des Bois, l'achalandage qui est mise en place. Ça, ça paraît pas, là, mais avec Hélène Wind Power, tu sais, il y a beaucoup de travailleurs qui prennent ce tronçon-là. Donc il faut apporter des investissements pour corriger un peu là, le cas un peu causé par, surtout en période printanier ou automnier, là, pour la circulation automobile. Affichage du poste de soutien administratif, donc 14 juillet, c'est la date limite. Il va y avoir un comité. Selon moi, il va y avoir, selon moi, soit un conseiller que, comme observateur, comme d'habitude. On parle du projet d'agrandissement au Haussecourt-Calanque. Il y a des travaux qui se font présentement. Donc, il y a un agrandissement qui était prévu. Donc, au niveau de la gestion, il y a eu, on a été en mesure de sauver certains coûts lors de la première phase. Puis, on s'est comme aperçu qu'il y avait, en tout cas, pour éviter là, des infiltrations d'eau, il y avait des investissements à faire. Donc, on va en profiter pour faire une bonne partie, au moins fermer là, la phase d'agrandissement de Haussecourt-Calanque. Ça va permettre aussi de gens de pouvoir circuler là, de l'étage du haut vers le bas à l'intérieur. 15 jours, à date, je n'ai que des bons mots. Donc, félicitations là, à l'ensemble de l'équipe administrative. J'ai vu les chandails aujourd'hui dans lesquels les jeunes avec les commanditaires. Donc, je pense que les jeunes vont apprécier. Piste d'athlétisme, donc on fait les démarches pour que ce projet se réalise pour nos jeunes. Puis je profiterai de l'occasion aussi que de plus en plus de jeunes veulent venir à l'école des pêches à Grande-Guerre. Donc là, présentement, vous savez qu'on travaille sur des projets de logement. Il y a des choses qui s'en viennent, il y a des initiatives qu'on met en place. Mais j'invite à l'ensemble de la population qui peuvent accueillir des jeunes, aménager peut-être, tu sais, un sous-sol ou une chambre, ou, pour au moins offrir des possibilités de chambre à location. Donc, en tout cas, nous, la ville, il faut trouver des façons de permettre aux jeunes de pouvoir venir fréquenter l'école. On est en manque de logement, mais le message m'a été passé par la MRC. On va être un facilitant. Donc, si vous avez besoin d'informations, s'il y a des choses que vous pouvez faire, je vous invite à communiquer directement avec Pascal Moreau pour acheter des informations, mais ça serait bien là, qu'on puisse être en mesure au moins d'offrir là, des chambres ou des sous-sols ou des mini-appartements. Il va falloir que la population embarque. Nous, l'école des pêches, là, c'est important. De plus en plus là, de jeunes, là, avec l'arrivée du Carrefour d'innovation, oui, on va mettre des initiatives au niveau du logement locatif, mais ça serait intéressant aussi que s'il y a possibilité de jouer qu'il y a des gens pensez à investir pour pouvoir accueillir des jeunes, bien, je vous invite à le faire. Puis je terminerai là, sur le dossier VTT.
Écoutez, même pendant la séance, on a entendu tantôt là, les VTT se promener. Donc, moi, ma préoccupation, c'est que on a un camp de jeunes, de jours de jeunes. Je sais qu'il y a des VTT qui se promènent autour du terrain de soccer, en arrière de la polyvalente. Ça se promène dans les rues. Il y a des gens qui ont acquis dernièrement des maisons. Donc, ça circule là, à très haute vitesse avec la poussière. Donc, c'est tous des inconvénients que... Vous avez vu la séance à soir, là? Ben, on travaille sur des projets porteurs, puis malgré ça, souvent, on est pris de porter, là, attention sur des choses comme ça, faire des plaintes, jouer un peu à la police. Donc, on demanderait, là, à l'ensemble de la population une très bonne collaboration. Les utilisateurs, ben, prenez les sentiers qui sont en fonction, puis je vous demanderai dans les rues municipales, si vous avez circulé, bien, circuler de façon sécuritaire, puis essayer d'éviter là, les bruits excessifs pendant la période estivale, ça serait très apprécié par l'ensemble des citoyens. Le camping. Camping? Il va y avoir les disponibilités des pompiers là, vont être connues demain. Fait que là, les tournées vont commencer, puis les gens qui vont tenter de faire du camping aux endroits illégaux vont être dirigés vers le camping de débordement de Chandler. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a plusieurs terrains. Là, on travaille à chaque année pour convaincre les gens de poursuivre les ententes de prêt de terrain. Comme derrière la Caisse populaire, on a 4 ententes qu'on signe, on renouvelle à chaque année. On demande aux jeunes, moins jeunes en tout cas, les gens qui se rendent là pour faire des feux, vous le savez, ce secteur-là, là, on le met à disposition des gens pour pouvoir débarquer leurs embarcations, pour pouvoir profiter de la rivière, faire la baignade, faire de la planche. En tout cas, ces gens-là ont le cœur sur la main pour nous rendre disponibles leur terrain. Mais le soir, s'il vous plaît, pas de feu puis pas de feu d'artifice. Parce qu'une personne âgée qui se fait réveiller là, avec des feux d'artifice, c'est plus ou moins intéressant. Ça fait qu'on vous demande de respecter ça aussi. J'ai été sur le site un matin, moi, là, puis il y avait eu un feu de fête cette nuit. On a tout ramassé le bois aujourd'hui, mais le monde arrive avec leur bois aussi. Mais c'est parce que moi, j'avais été avec un citoyen pour les canaux. Là. Ouais. J'ai serré de l'aide. Ouais. Donc, vite fait, je vous demanderai assez rapidement de faire un petit tour. Donc, Gaston? Alors, rien du tout, monsieur le maire, ce soir. Je sais que vous avez une préoccupation pour le bateau. Le bateau. Bien, tout ça pour dire, on a eu une discussion avec le directeur. Moi, je vous dirais qu'on passera aux travaux, mais on veut juste s'assurer de ne pas se faire taper ses doigts par le mamache. Donc, il y a des vérifications sur la forte recommandation au niveau administratif, que M. le directeur général va faire ça. Mais on veut régler cette problématique. Mais qui est parti, c'est peut-être un cadeau. Oui. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. M. Baudin? Bien, peut-être juste saluer ce que vous avez dit tantôt, M. le maire, concernant la rencontre que vous avez eue avec le MTQ là, pour le chemin des bois. C'est intéressant de savoir que dans 2023, ça va être sur la planche à dessin pour finalement réaliser là, un accotement pour les piétons dans ce secteur-là. Puis je rappelle aux résidents du secteur ouest de Saint-Hilaire que les égouts, c'est dans les IMO des 3 prochaines années pour voir la faisabilité de ces travaux-là. Puis c'est tout. Ouais. Je vous dirais que je pense que le fait de coordonner les travaux de la planification avec le MTQ, parce qu'avec le MTQ, on a même discuté là, l'aménagement du village pour la sécurité des piétons en face là, de la Caisse populaire, l'agrandissement de la rue du Parc, transport collectif, donc il y a un aménagement général donc, qui fait partie un peu du plan d'action de la zone d'innovation. Donc, ils sont très intéressés à prendre connaissance pour pouvoir faire la planification. Mais étant donné que c'est toujours 1, 2, 3 ans, donc, on est en 2021, l'année passée, la rue des Bois est en planification. Ouais. On s'est assuré cette année que c'est le cas. Puis, mais il nous a été mentionné qu'il y a eu des investissements dans ce sens. C'est bon. C'est bon? Oui. M. Briand? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Disons que le sujet que je voulais parler à soir, vous en doutez sûrement. Là. À soir, je ne parlerai pas de lit de poule, puis je ne parlerai pas de l'eau d'âme. Disons que la date du 2 août est une date importante pour les contribuables de mon secteur. Est-ce qu'on en regarde la quadrilatère, ce qui est servi par la caduc, tout ça, les deux réseaux. J'aimerais dire que même si le projet a été retardé d'un mois, je dirais, là, peut-être pas retardé, mais ça a pris un mois de plus,
On avait pensé que peut-être qu'en fin de juin, le projet aurait pu être débuté, mais là, on est rendu au mois d'août, le 2 août. Puis, pour moi, ce que j'ai attendu à soir, tout a l'air beau, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter, tout est beau pour le projet. Puis que moi, j'aimerais informer et rassurer la population de mon secteur que tout va bien pour le projet, pour le 2 août. Le directeur général puis sa greffière travaille comme un démon là-dessus, le maire aussi, puis moi aussi. Puis tout le monde travaille, ça fait que ça va même dans ce domaine-là. C'est pas pour tout ce que je veux. Ben, je veux juste rappeler aux gens, aux citoyens, quand on a fait la présentation, là, on avait expliqué là, qu'à partir du 22 juin, on faisait l'administratif. Le 15 juillet, moi, je m'attendais d'être en mesure d'avoir les informations pour procéder. Sauf que là, on est un peu à un décalage de 2 semaines. Mais j'ai toujours dit que vers la 3e semaine de juillet, mais que le début août, les débuter. Puis dans mon sens à moi, malgré le petit peu retard qu'on avait, on tient toujours le cap. Puis je suis convaincu à 100% que les réalisations des travaux vont se faire début août. Merci. C'est beau? C'est beau. M. Moreau? Oui, merci, M. le maire. C'est pour donner l'information aux gens de la rue des Pionniers, qui a déjà l'aqueduc, puis la rue des Bellevues, qui a de l'aqueduc jusqu'à moitié. C'est les chemins vont être refaits au complet, puis ça va être asphalté au complet. C'est ça, M. Moreau? Oui. C'est juste pour donner cette information-là. Je pense que c'est dû. Là, il y a des bonnes bosses, puis ça va être réparé, puis tout va être fait en bon. Oui. C'est bon, M. le maire. Merci. Merci. Valérie? Merci, M. le maire. Moi, j'ai pas grand-chose. Je voudrais juste souhaiter un bel été à tout le monde. On sait encore que la Gaspésie est tellement prisée par les vacanciers. Soyez prudents. Puis j'aimerais vous remercier, M. le maire, pour la rue L'Azur et la rue des Trembles, l'apport des citoyens. Ça va faire un grand bien. Merci beaucoup. Je vous dirais que dans votre secteur, là, comme le directeur de travaux publics l'a mentionné, là, il va y avoir du travail aussi qui va être fait. Là. Je sais que c'est la rue Saint-Pierre, ça a été fait, mais la rue McTavish, là, c'est certaines rues qui a l'entretien. Puis on travaille toujours sur le projet pour le parc d'amusement pour les jeunes. Donc, je pense que les gens de votre secteur, là, ils sont sentis négligés dans les dernières années, mais je pense que depuis 2 ans, on essaie d'investir et d'améliorer votre secteur. Oui. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les citoyens de notre ville un très bel été. À tous les vacanciers, un excellent séjour parmi nous. Soyez prudents sur les routes et bonnes vacances. OK, merci. Donc, les points de jour étant épuisés, on s'est rendu, j'ai plus mon nom du jour. C'est la levée de la séance. On s'est rendu à la dernière, au dernier point pour la levée de la séance. Donc, proposé par M. Denis Baudin. Proposé par M. Denis Baudin, il est présentement. La 37. C'est bon? Oui, mais c'est bon. Donc, merci tout le monde. Donc, comme Mme Nicolas l'a dit, on vous souhaite là, un beau mois de juillet, un beau début mois d'août. Profitez-en. Donc, on sait qu'on commence à diminuer un peu les mesures sanitaires, mais faites attention à vous. Soyez prudents. Donc, appliquons au minimum là, ce qui est demandé par le gouvernement du Québec. Puis je profite de l'occasion pour dire aussi que suivez aussi là, les informations pour le centre de vaccination, surtout pour les 100 rendez-vous. Moi, je vous dirais, je suis très fier de voir qu'on a de la publicité puis que la ville de Grandier bien, est citée parmi les grandes villes de la Gaspésie qui offre ce service. On y est bien côté. Donc, merci. Bonne soirée.